Commence une string. Lou. Alhamdulillah. Tu sais quoi le coup de ta bouche? Tu balles? J'ai la vision sur tout. Rien ne m'échappe le quiz. Ça marche bien, ça le quiz. Salam alaikum, Azoul, bonsoir frérot. N'hésite pas à te manifester, à commenter, on va parler un peu foot. Voilà. Voilà, voilà. Oh, c'est le fan de FNAF. Oh lolo. Comment ça va, Naël? Bientôt l'anniv, hein. Bientôt ça va fêter ton anniv. Hein. On a eu la. Et la notification de ton anniversaire. Le mobile 60. Ouais, jeu mobile 60, ça va? Qu'est-ce qui est jeu mobile 60? Je sais pas qui c'est. Votre pote à Naël, ça, non? Ouais, c'est cool. En anniv, j'ai acheté FNAF 2 et 3 et 4. Oui, je sais, j'ai vu Naël. Salam alaikum, Azoul, bonsoir à tous, les amis. N'hésitez pas à liker, les frères. Ça nous ferait un énorme plaisir. Donc voilà. Ah, vous savez qu'il a acheté FIFA 22, Naël. Il a acheté FIFA 22? Ouais, il l'a acheté. Ah, ok, ok. Ben, c'est un peu tard, mais. Quoique. Non, c'est pas tard. Mais je veux dire, il est sorti il y a assez longtemps maintenant. Ah, pour ton anniversaire? Est-ce que tu l'as acheté à combien, Naël? Moi. Dès qu'on parle foot, ça m'intéresse. Donc là, tu me parles de FIFA, ça m'intéresse. Ça fait FIFA, ça. En fait, ce personnage, il bug beaucoup. Hein. Le chat. Salam alaikum, c'est Aïd. Comment ça va, Khoyan? N'hésitez pas à liker, les frères. Oula. Même toi, Naël, jeu mobile, tout le monde. N'hésitez pas à liker, ça nous ferait un énorme plaisir. Puis voilà. Regarde là, le quiz. Je sais pas où tu regardes. Oh. Ah non, il y avait une réduction, ouais, mais tu l'as acheté à combien du coup? Comment ça va, c'est Aïd? T'as passé une bonne journée, Foya? 35. Bah tu l'aurais acheté au Black Friday, écoute, encore moins, je crois. T'es 30 balles, je crois. Ok. Du coup, on est 4 pour 2 likes, les frères, faites un effort. Enfin, le Fennec est de retour, ouais, t'inquiète. C'est Aïd, il aime trop le Fennec, c'est Aïd. En tout cas, l'application, elle bug un peu. Hop. Alors, t'as des nouvelles un peu du des joueurs marocains, de t'as regardé un peu leur première séance d'entraînement? Moi, je l'ai vu, c'était hier la première séance d'entraînement, enfin la vidéo de la première séance d'entraînement de l'Algérie à Doha. Voilà, jeu mobile, Khoya, Blayli. Blayli, Khoya, à ce qu'il paraît, il va signer finalement au Qatar. J'aimerais trop le voir en Europe, mais où je pense qu'il va aller, je pense en Liga. Hein. Liga, il a eu pas mal. Là, il y a eu encore le FC Bale qui a proposé un contrat à 2 millions, je crois, 1,7 million d'euros. Donc voilà, c'est pas mal au niveau financier. Mais après, ça reste championnat suisse, tu vois. Championnat suisse, c'est pas le top. Hein. Demain, je retourne en Italie. Ah, d'accord. Ah, tu restes pas pour le jour de l'an alors, Saïd. Pour la nouvelle année, tu restes pas en France. Est-ce que t'as profité en France au moins? Il y avait un joueur de 90. Si t'achètes sur PSN, c'est pour ça que j'ai acheté. J'ai pas compris. T'as compris ou pas? Pourquoi hier pas de live? Oui, hier on devait faire un live. On l'avait annoncé et tout. Mais finalement, on avait un truc à faire à l'extérieur, donc on n'a pas pu. J'ai joué à FNAF 1 et j'ai eu un secret hyper rare. Ouais. Comment ça, un secret? Genre, t'as eu les trucs du fantôme là qui apparaissent? Ouais, un secret sur le jeu? Ouais. Ah. Bon. Ouais, le plus important, c'est que t'aies profité en France, c'est Aïd. Ça, le plus important, quoi, regarde là. T'as profité, t'as visité les jolis endroits. T'as visité, comment ça s'appelle là? Il nous a dit l'arbre blanc à Montpellier, etc. J'ai acheté sur Play Store.
Ouais, mais pas tout est sous dans les jeux. Mais c'est pas. C'est de la futilité, les jeux. Garde un peu de sous de côté, comme ça tu peux profiter avec tes potes, tu peux manger dehors, etc. Tu vois. Pas obligé de tout jeter dans les jeux, hein. Attends, je passe le jour de l'an avec la famille du côté de mon père. En Italia, Italia. Italia squadra azzurra. D'accord, ça aide. Bah profite frérot, profite, là. Attends, pourquoi ça fait ça? Ouais, profite. Profite frérot. Voilà, c'est le jour de l'an. Voilà, c'est pas tout le temps, donc. Vous allez faire quoi? Un petit restaurant? Quoi, une soirée? Je suis parti à Agde, c'est joli. Cap d'Agde, tu veux dire? C'est quoi Agde? C'est une ville, je connais même pas. FNAF, c'est une masterclass. C'est vrai que c'est pas mal comme jeu, je vois. Attends. Agde, ouais, c'est une ville, ouais. Je connaissais même pas. C'est ça la plus jeune. Ça a l'air joli, ouais. Bah c'est bien en vrai, c'est bien, là si t'as profité, c'est bien. Ça a coûté bien. Un peu baiser. Attends. Ah, Montpellier. Ah, ok, nous on n'est même pas allé là-bas. Bon, après c'est encore plus loin, mais. Tu penses qu'ils sont favoris pour la CAN? Bah, juste qui sont favoris? Ah! Bah, justement, on va sortir une vidéo demain. Mais, Inch'Allah, mais. Par rapport aux favoris de la CAN, jeux mobiles, rien. Je pense déjà Sénégal, Cameroun, Algérie, Nigeria, Égypte. Égypte, ils ont beaucoup gagné de CAN en Afrique subsaharienne, rien. Salam alaikum, quoi, la zone, comment ça va, rien? N'hésitez pas à liker, les frères, Oullah, ça nous ferait un énorme plaisir. Merci beaucoup. Azul, je reviens. Azul Fillawen Kimben, ça marche, rien. Ça marche. Jeux mobiles, Khoya, t'es un nouvel abonné, hein. Marhaba bik, bienvenue. Hein. Bienvenue sur la chaîne. Salam alaikum, Octopus, comment ça va, Khoya? Ça fait plaisir que tu sois là. Voilà, reste comme ça, le pouce, reste comme ça. Non, reste comme ça. Là, regarde juste là, mais bouge pas ta tête, regarde juste là. Neutre. Voilà. Mais maintenant, si tu lèves un peu trop la tête, il va regarder en l'air, hein. Comment ça va, Octopus, Corazon? Comment vous allez, les frères, Oullah? Vous savez que la série d'invincibilité, il y a des histoires avec cette série d'invincibilité, les frères. Oullah, c'est incroyable, hein. Tu l'as vu, fan de FNAF, hein? Bien sûr que Je je l'ai mettrais plus vu. la Côte d'Ivoire, sinon le Nigeria n'est pas favori, je trouve. Si, Nigeria, quand même. La Côte d'Ivoire, c'est une grosse nation, quand même. Nigeria, Khoya, ils ont gagné la CAN. Attends, ils ont gagné quelle CAN, là? Bon, la 2017, c'était le Cameroun. La 2015, c'était. Je crois. 2015. Là, je crois que c'était. Ouais, c'était la Côte d'Ivoire. Là, du coup, attends, c'est laquelle qu'ils ont gagné? 2013, alors, 2013. En 2013. Tu vois, c'est pas très lointain non plus. Ah ouais, c'est Nigeria qui a dit. Ouais, c'est pas très lointain non plus. Donc, Roya, le Nigeria, ils vont souvent loin dans les CAN. Et ils ont un effectif, un très bon effectif, hein. C'est pas le Sénégal non plus, mais c'est un bon effectif. C'est pas la Côte d'Ivoire non plus, mais ils ont un bon effectif. Et ouais, la Côte d'Ivoire aussi, je les vois dans les favoris. Mais après, dire beaucoup, beaucoup de favoris, tu vois, c'est. La Côte d'Ivoire, ouais, la Côte d'Ivoire nous a fait galérer, hein. Là, ils ont un bon jeu. Enfin, il va pas affronter, mais ils ont un bon jeu par rapport aux qualifications qu'il y avait. Ils avaient vraiment un bon jeu. 2015, Côte d'Ivoire, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, la Côte d'Ivoire aussi, c'est vrai, c'est vrai. Tu habites où en Algérie, Khoya? Skikda, Skikda. À côté de Constantine, Khoya. Parce que la famille de mon père, c'est en Italie, sinon vous avez fait quoi aujourd'hui? Wallah, aujourd'hui, rien de spécial, Saïd. On est resté à la maison. On a réfléchi à une vidéo, on a écrit. Et voilà, on a regardé un peu les erreurs que faisait Ben Lamri. Avec un 2019. Ouah, franchement, Ben Lamri, c'est chaud, hein. Il laissait des morceaux de trop, par contre, mais vraiment énorme. Heureusement que ça m'a dit. Voilà, Mondi, heureusement qu'il aidait. Il laissait des trous, malheureusement, aussi derrière. Ouais, il laissait des espaces énormes, hein, Belhamri. Hein. Oula, il a été bon à la CAN 2019, hein. Mais les espaces qu'il créait, en fait, les espaces qu'il libérait pour les adversaires, c'était incroyable. Hein. Et tu t'as vu, apparemment, si le Maroc et l'Algérie finissent premiers, Ok.
gagnent en 8ème, elles sont croisantes en quart. Ouais, Corazon. Même, ouais, je sais que. Yo, Kaneki, comment ça va? Ça va, Alhamdoulilah, et toi, Kaneki? La Côte d'Ivoire, toujours présente contre les grandes équipes. Ouais, ils sont chauds, les frères Oulah. N'hésitez pas à liker, ça nous fera un énorme plaisir, les frères Oulah. Et faites ce qu'il a, c'est pas loin de la Tunisie. Vous avez pas l'accent tunisien là-bas? Pas forcément, Corazon. Si, on a un peu. En fait, pour moi, quand tu es en Tunisie, il y a une grosse différence niveau accent. Mais pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Algérie, genre à Oran, etc., bah, ils vont trouver qu'on a un accent, tu vois, un peu. Un peu proche de celui des Tunisiens, tu vois. Nous, on le remarque pas forcément. Par contre, tu vas à Annaba. Annaba, c'est vraiment à côté de la Tunisie. C'est encore plus proche de la Tunisie que nous. Ah, Annaba, ils ont un accent vraiment. Des fois, quand je croise des Algériens d'Annaba, je me dis. Voilà, comme à Annaba, exactement, Octopus. À Annaba, oh là, je me dis, c'est des Tunisiens, frère, des fois. Mais ouais, sinon. Sinon, voilà, la série d'invincibilité, les frères, je voulais vous raconter. En fait. J'en ai fait une, on en a fait une vidéo, je crois, avec le Fennec. T'étais présent dans la vidéo? Oui, j'étais présent. On en a fait une vidéo. Du coup, à ce qui paraît, la FIFA avait félicité l'Algérie en octobre dernier pour avoir atteint le nombre de 30 matchs sans défaite. Ensuite, l'IFFHS, c'est l'International Fédération au football historique et statistique. History and statistique. C'est en anglais, mais ça parle de l'histoire des pays, en fait, footballistiquement par rapport aux statistiques, tu vois. Si, par exemple, le meilleur buteur dans telle équipe, ben, il est écrit dans l'IFFHS, il est enregistré, il est archivé. Donc, bref, l'IFFHS, c'est ceux qui prennent en compte toutes les statistiques, qui calculent, etc. Et pour eux, je sais pas, c'est même par quel. Par quel moyen ils ont compté ça, tu vois. Ils ont compté le match. Ils ont compté le match, les frères, de la défaite de l'Algérie contre le Maroc avec l'équipe A' pour la qualification à la CHAN. L'Algérie contre le Maroc qui a perdu 4-0, je crois. 3-0 alors. 3-0. On parle plus fort parce qu'on t'entend pas du tout. 3-0. Et puis ils l'ont comptabilisé, je ne sais pas pourquoi. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, l'invincibilité de l'Algérie, elle compte qu'à partir d'octobre dernier. Donc franchement, c'est dommage, oula. Tu vois, ça aurait été une fierté qu'une équipe africaine détrône l'Italie, que soit la première, même pas que pour les Algériens, pour toute l'Afrique, tu vois. Mais franchement, oula, j'espère que la FAF va parler avec l'IFFHS, hein. Dis pas de gros mots, s'il te plaît, fan de FNAF. C'est qui le joueur le plus attendu à la CAN en Algérie? Joueur le plus attendu à la CAN? Moi, pour ma part, j'attends beaucoup Ben Debka. Le joueur le plus attendu. C'est une question. Oh là là, c'est une question. Peut-être Blayley. Hein. Blayley, hein, je dirais. Parce que Blayley, tu vois. En fait, Blayley, c'est tantôt des très bonnes performances, tantôt. Il bousille tout, tu vois, des actions, etc. Comme en finale, en deuxième mi-temps de la finale contre la Tunisie en Coupe arabe, moi je l'ai pas trouvé bon, hein, les frères, je vous dis la vérité, il tuait toutes les actions. Donc, celui qu'on attend. Qui on attend? Attends, Yamboulhi, Chechi, Belek, Tougaï, Bedran, peut-être Benin, je sais pas, là, c'est compliqué. Le plus gros talent, gâche algérien, jeu mobile. Le plus gros talent gâché algérien, Ben Taleb, je dirais. Ben Taleb, c'est un très gros talent qui a été gâché. Attends, Ben Taleb, j'aimais beaucoup le joueur, tu vois, le joueur. Très très bon joueur. Très bon milieu, hein, très très bon milieu. Après, plus gros talent gâché algérien. Il y en a tout le temps des talents gâchés algériens, quoi. Hein. Regarde, Blayley, là. Normalement, Blayley, avec son talent, c'est un génie du foot, Blayley. Normalement, il finit dans un club beaucoup plus haut. Il a un peu gâché soit sa carrière, tu vois. Mais le plus gros. Attends. C'est quoi le plus gros? Peut-être ça va me dire des noms et ça va me faire tilt. Hein. Ah, Youssef Attal aussi, il a gâché un. Enfin, sa carrière, elle est un peu gâchée par ses blessures. Hein. Rachid Ghezal, yani. J'aime les joueurs, Rachid Ghezal. Rachid Ghezal, là, il joue en Turquie, tu vois.
Alors que c'est un gros talent aussi. Hein. Bon. Moi, j'aime pas ce joueur, moi. Ben Taleb, j'aime pas trop, j'aimais pas trop. Ah ouais? Moi, j'aimais beaucoup Salah est rapide. Ouais, bah oui, Salah est rapide. Le fan attend. J'ai pas assez de compétences pour parler du foot, je comprends rien. Ciao. Ciao, ciao le fan. Ça marche pas. C'est le frère au Fennec en fait. Exactement. Le fan attend. T'inquiète, pas besoin de compétences. Ouais, c'est vrai. J'allais pas partir, vous croyez quoi? Ça se voit que c'est un enfant encore, le fan de FNAF. Il te fait des feintes. Il n'y a pas de news sur le Covid. Bah, sur le Covid, Rouya, il y a des plusieurs joueurs importants d'Algérie qui ont été touchés, comme Blayley. Voilà, notre attaquant qu'on aime beaucoup. Comment il s'appelle? Tougaï. Mohamed Amin Tougaï. Et puis Hossein Ben Ayada. Donc, eux trois, ils ont été touchés par le Covid. Après, ils avaient du Bounedjah. Bounedjah, il a dit sur sa story Insta qu'il n'a pas été touché. Salah, j'espère, mais il va rien faire. Et de l'autre côté, Abdé, je dirais. On attend Salah, j'espère, mais il va rien faire. Qu'est-ce que t'en sais, Corazon? T'es fou, quoi. Il est tellement bon, là, en Première Ligue, en ce moment. Il a même plus marqué que Benzema, hein, dans la demi-saison, là. Donc, tu sais pas s'il va rien faire, quoi. Hein. Et là, je pense qu'il est tellement dans une bonne période qu'il peut faire des exploits, hein, à la CAN. Hein. Et de l'autre côté, Abdé, je dirais. Attends, ce qu'il a posé la question. Pour moi, c'est Tider. Tider? Ouais, Tider, c'est vrai qu'il était bon aussi. Ça. Oulah, avec, j'ai pas une bonne mémoire, les frères. À la Belkem, j'ai pas une bonne mémoire, les frères. Donc, Tider, c'est vrai que c'est un gros talent. C'était un gros talent. Il prend ce qu'il a joué avec une équipe d'Algérie qui était. Maintenant, il joue au Canada, ou là, je sais même pas où il joue. Là. Kazas sont ultra nuls. Kazakhstan? Ouais, je pense pas. Explique-moi, vous parlez de quoi et je parle avec vous. De foot algérien. Là, du coup, ouais. Je parle avec l'Egypte. Ouais, je sais. Ah, Abdé. Abdé, moi je pensais que tu parlais d'Abdé du Maroc. Celui qui joue. Au Barça. Ouais. Au Barça, il joue au Maroc. Très très fort techniquement. Abdé. Là, je suis en train de regarder là, les joueurs tunisiens, les joueurs égyptiens. Il y a Mustapha Mohamed Salah, Omar Marmouche, Chennaoui, Hossein Faisal. Je suis en train de regarder là. Tawfiq, c'est un excellent latéral, Tawfiq. Wallah, Khouti, Abdé, précise-moi Abdé de quel. De quelle équipe? Moi je suis marocain. Ah, ok. Le foot algérien. Oui, foot algérien, le fan de FNAF ou n'importe quel pays. Hein. Maghrébin ou l'Africain. Ou la, tu vois. Mahrez et Ben Rahma ont rejoint où? Parce que j'ai vu une vidéo où ils sont dedans à l'entraînement. Non, Khoya. Mais Zelo Ada, ils sont encore en Angleterre là. Là, ils ont encore leur club respectif. Hein. Soit West Ham ou la fille l'autre à Leicester, Foya. Ah, à Leicester, à Manchester. Il y a qui en milieu marocain? Milieu marocain. Attends. Milieu marocain. Attends, je vais te dire ça parce que là, je n'ai pas retenu le milieu marocain. Je pourrais te dire les Tunisiens, tu vois. Je veux dire, il y a. Comment il s'appelle là? Sassi, Chalali, etc. Tu vois, il y en a pas mal qui sont excellents. Vas-y, je n'ai même pas là. Alors que jamais. Saïs, c'est un milieu de terrain qui est bon. Je sais pas, il a été appelé ou pas Saïs? C'est un défenseur central, Saïs. Non, c'est écrit milieu. Au poste de défenseur central ou de milieu défensif. Donc il peut jouer défenseur. Ah, il peut jouer en 6 quoi. Ah, Emelan Nouza, là je connais même pas. Tu connais lui? Nantes. Ah, il joue au Watford. Il est né à Nantes, mais il joue à Watford. Ah, ok. Watford, ça va, c'est un bon club. Même si là, ils se sont fait exploser par comment ça s'appelle? Par West Ham 4. Mais oh, ça parle du Kazakhstan, wesh. Oh, quel foot algérien. Barbouk, c'est un quel. Excuse-moi pour l'expression.
Barcook. Ah, Barcook, pourquoi? Ce soir, il joue Mahrez alors? Ouais, il joue, Inch'Allah. Ouais, il joue Octopus, Amarabat. Ça, Amarabat, il est bon aussi. Oh, mais oh, ça parle du coup. Ah oui, mais après, on peut pas tout le temps rester que sur le Fotelja. Des fois, ça parle d'autre chose aussi. Louza, il est rentré remplaçant. Hier, c'était le numéro 6. Hier! Quoi, la zone? Ah, ok. Quand il s'en fait exploser par. Par Ousmane Chou. Barcook sous pain abricot. Attendez les frères, je fais juste un petit truc. Ah oui, lui, Ah, Malek. Malek joué, lui. Les joueurs de Tunisie en 2017. Malek Slah, non. Royan, moi, pour moi, ceux qui ont été convoqués, ils méritent, Royan. Malek Slah, non. Voilà. Zarba, il a fait pas mal de clean sheet. Clean sheet, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est juste des matchs où tu te prends pas de but. Donc, il a fait pas mal de clean sheet. Zarba, il a été élu meilleur gardien du championnat. Pas 4. De l'Arabie Saoudite devant Mboulhi. Et puis donc voilà. Oukidja, voilà, il est bon. Oukidja, il a bien été formé, il joue bien. Même si sur les deux derniers matchs, il y a. Comment il s'appelle? L'autre gardien, là. K. Attends. Gardien FC Metz. Ah, Oukidja. Kayman, ou je sais pas quoi, là. Kayar, voilà, Kayar. Kayar qui a été mis à sa place. Et puis voilà, moi je pense que c'est bon. Boulhaï est toujours bon. PSG, ils ont libéré Ziyech. Ah, ok. Vous avez de Ouais. la chance, les frères. Oula. Nous, ils veulent pas libérer ni Ben Rahma, ni Boulhaï, ni. On a tellement de joueurs qui n'ont pas été libérés. Oula, c'est une catastrophe. Alors les gars, Ziyech ne joue pas au PSG. Il joue à Chelsea. PSG, ils ont libéré. Oui, mais il veut dire à Hakimi. Même moi, j'ai pensé à Hakimi. Ah. Même moi, j'ai. De toute façon, Ziyech, je l'ai même pas convoqué, le frère. Octopus, je te parle dans la sélection pour la CAN. Il est pas à Chelsea. Si, il est à Chelsea, frère. Enfin, moi, j'ai compris, il parlait de Hakimi. Hein. J'ai déjà. En fait, dans mon cerveau, c'était Hakimi automatiquement, tu vois. C'est quoi la zone? Tu parles tout doucement, pour moi. Tu crois qu'il t'entend de. Ah. Déjà, il y a le son des supporters. En plus, il y a notre voix qui est assez loin. Autant pour moi alors. Ah ouais, le plus, faut que tu parles plus fort. Hein. Enfin, ils veulent le vendre. Ah. Désolé, j'allais dire Hakimi. Ah ouais. Ouais, je vois. C'est pour Non. ça que j'ai déjà compris. Mais en tout cas, les frères, Oullah, par rapport à Blayli, il a une offre de FC Bale. C'est un club suisse, comme je vous l'ai dit. Et Wallah, non, il faut pas qu'il aille là-bas, les frères. Faut qu'il aille dans un championnat relevé, même dans une équipe moyenne, tu vois. Pas une équipe qui joue constamment le maintien, mais une équipe qui joue au milieu de tableau ou un peu plus, tu vois. Ça serait bien. Comme Villarreal, par S'il exemple. va au Vichy, au Betis, s'il va à Villarreal, s'il le demande, Wallah, ce serait parfait, ça. Mahrez Ben Rahma, ils ont marqué dernièrement. Donc c'est bien pour l'équipe. Il y a pas mal de joueurs qui ont marqué les frères récemment. C'est pas vous ce que vous en pensez, moi je pense que ça fait du bien psychologiquement. Ben Depka il a mis une retournette acrobatique. Feghouli il a marqué. Alhamdoulilah. Ben Arrahman il a marqué. Mahrez il a marqué. Brahimi il a marqué. Alhamdoulilah, Allah. Non la Suisse c'est nul. C'est Ouais la vieux. Suisse c'est pas un championnat. Voilà. C'est quoi? Pourquoi pas c'est vieux en vrai. Vous avez vu le classement des salaires? Ouais, Séville, ce serait bien aussi. Vous avez vu le classement des salaires algériens? Non, Octopus, là. Là, je regarde pas trop ça. Je sais que, tu vois, vu qu'en ce moment, c'est dans l'actualité du moment, tu vois, on parle beaucoup de Blayli, de son transfert, de son salaire, etc., de combien il demande, que son père est en tant qu'agent. Voilà, il a accepté de diminuer sa masse salariale. Que, voilà, on en parle beaucoup, mais sinon, moi, je m'intéresse pas trop à leur salaire, etc. Il touche ce qu'il touche, hein, il touche ce qu'il mérite. Hein.
Je sais quoi là, je sais que Ounes il est à peu près à 15 millions, je crois, des trucs comme ça. Sinon, les salaires, là, Mounia, il touche beaucoup, là. Après, il Ah est ouais? bon, Bounjara, Mounia, je après. crois, il touche 12 millions, non? La Séville, il y a du monde. Ouais, mais t'inquiète, Blaydi, inchallah. Ouais, c'est vrai que je dis ça. Je dis que Blaydi, il peut s'imposer, les frères Blaydi. Hein. Ok, moi aussi je pense. Bessah, les frères. Tu vois, Ben Lamri, il était excellent à Lyon. Et il s'est pas imposé. Hein. Ils l'ont pas laissé s'imposer. Donc, tu vois, ça me fait peur d'un côté aussi. Hein. Slimani, il est très bon, mais pourtant, il joue pas beaucoup. Hein. Oui, le Qatar, ça paye. Ouais, croyant. C'est pour ça Brahimi, il est allé au Qatar. Parce que. Ah, il était au FC Porto. Il jouait tout le temps à la Ligue des Champions. Enfin, pas tout le temps, mais il a joué pas mal de fois à la Ligue des Champions. Ils étaient très bien classés dans leur championnat, FC Porto. Voilà, c'était. Wallah. Yani. C'était un niveau élevé, tu vois. Et là, il est parti au Qatar. Pourquoi? Ben, tout simplement pour le plan financier. Ah oui, les frères. Plus d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, Paris FC Lyon était sorti de la Coupe de France. Qui? Paris FC Lyon était sorti de la Coupe de France. Parce que les supporters, ils ont fait un investissement de terrain, ils ont fait le bordel. Là, attends, là, tu parles de. Maintenant, là? Ouais. En ce moment, Paris. Et Attends. Lyon ont été sortis de la Coupe de France. Ok. Donc Nice 28e directement. Regarde, Attends, pousse. à la caméra, Ah, attends, notre. le coup. Attends, juste la personne qui suis. Oh, j'en sais. Voilà, regarde la caméra, notre le pouce. Voilà. Parce que ça. Du coup, par contre, tu peux débloquer mon compte, le gamer de la honte. Ouais, je le débloquerai. Mais je peux pas, là, de toute façon, je suis en live, donc. Largement, c'est hide. De quoi c'est hide? Si, à ton avis, les footballeurs touchent plus que. Ah, c'est hide, trop bien. Ça c'est. Ça dépend lesquels, mais si tu me prends un footballeur en Détroit espagnol qui a un travail à côté, regarde, c'est pas pareil. Ça, si tu me prends un footballeur de. Le footballeur, ça dépend, regarde. Le footballeur qui touche le moins en Ligue 1, je crois qu'il touche 2500 euros par mois. Je crois que c'est ça. Hein. Ce qui a l'air d'un prof. Le footballeur. Et des fois, les. Donc, ça dépend quel joueur. Bon, en général, des joueurs, c'est ma. Des joueurs qui ont bon niveau, ils touchent plus que des youtubeurs. Hein. Footballeur qui touche. Le moins C'est en ça. Ligue 1. Sachant que le plus qui touche, je crois, c'est le En tout fils. cas, attends, en tout en bas du classement, Pascal Planck, Nîmes, intermédiaire après la mise à l'écart de Jérôme, ferme la marche avec un petit salaire de. Ah, 7 000 euros brut quand même, 7 000 euros brut. Ouais, 7 000 euros, il y a des youtubeurs qui touchent plus que 7 000 euros, quoi. Hein. Du moment qu'il soit bon avec l'Algérie, ça passe. Largement, ça aide. C'est pour ça qu'à la zone, Khoya, tu peux pas dire largement. Ça dépend de la qualité de joueur, de son niveau, de son salaire, etc. Tu vois, qui dépend qui est lié à son niveau. Tu vois. Ouais, par Si rapport je au te dis salaire. Neymar, Squeezie. Salaire. Par Ça, rapport au salaire, je ah pense. non, Neymar il est devant, je pense. Neymar il est devant. Même si, non, Neymar il est loin devant. Attends, Neymar salaire. Ouh, quand même, il gagne beaucoup quand même. Attends, je pensais plus moi. Ah, ça c'est mensuel ça? Je connais tout ça. Mais ça, le quoi, c'est Ah, quoi? c'est tôt, il a 36,8 millions, c'est tôt? Ouais. Ça veut dire Mahrez il gagne plus que lui? Non. Attends, attends, Mahrez. Les frères, je comprends plus rien moi. Je pense. Attends, attends. Mahrez, 600. Quoi? Attends, Mahrez en annuel, il touche combien en annuel? J'en ai marre de parler avec ce compte, je préfère mon compte avec ma belle photo profile. T'inquiète, fan de FNAF, faut là, je te débloquerai quand même. Neymar 100 fois devant. Neymar 3 millions par mois, wesh. Ouais, ça. Ouais, je pense, ça, t'as raison. Trêve number one. Mahrez 10 millions. Mais attends, 10 millions par mois. Attendez, les frères, c'est pas normal. Ah, 7 millions l'année. Quel est le salaire de Mahrez? De plus, il se place en tête de liste des joueurs algériens revenus, sachant qu'il perçoit un salaire mensuel de 604 000 euros, hein, soit plus de 7 millions d'euros annuels. Ah, mais son salaire, il a clairement baissé. Quand il est arrivé la première année, il touchait combien par an? Ah ouais, c'est très peu, les frères. Hein. Quand il arrivait, il touchait beaucoup. Mahrez, salaire en 2017.
Il touchait plus, les frères, on est d'accord. Quand il a signé qu'il était le meilleur joueur de Leicester, meilleur joueur de première ligue. Simplement le milieu de terrain. Attends. Ah oui, mais moi je me trompe, les frères. Moi je me trompe, les frères, oula. Je mélange tout. En fait, c'est pour ça que je vous dis niveau salaire, c'est compliqué. Parce qu'en fait, je me souviens qu'il avait été. Il avait signé un contrat à 65 millions d'euros. Sa valeur marchande, elle était de 65 millions d'euros. Ça veut pas dire qu'il touche 65 millions d'euros annuels alors. Dans ce cas-là, c'est un truc de fou. C'est pour ça que je me suis dit, c'est bizarre, tu vois. Parce que je me rappelle de ce chiffre, ou 67 millions d'euros. Ah ouais? Ça veut dire Ben Nasser, il touche moins que Attal et Blayley. On dit de l'or, là, je ne veux même pas parler de lui. 65 millions, voilà, c'est Aïd. Ah, d'accord. Bah oui. Ça veut dire le 65 millions ou sa valeur marchande. T'as vu ce qu'il fait, ton frère? Oui. T'as vu comment il saoule? Le FNAF, fan de FNAF, ciao, wesh. Oula, tu grandis un peu, fan de FNAF, là. C'est les sisters qui les ont pris. Ah, il parle de la valeur de son. Ah, d'accord. Contrat de Mahrez. D'accord, en fait. Donc, Grealish, ils ont dit, ils l'ont acheté à 120 millions ou la haja comme ça. Et Nasser négocié pour 400 000 euros par mois. Pour de l'or, j'ai fait copier-coller. Ah, t'inquiète, Octopus, quoi. T'inquiète, Royan. Non, ouais. T'aurais dû le supprimer de l'or, mais tranquille. De l'or, Ola, Kalahana, maintenant, on en a marre de lui, Ola. En plus, j'en ai fait une vidéo, là, Ola, ça y est. Et Ben Nasser, les frères, j'ai fait une vidéo pour Ben Nasser. Ola, je suis honnête, les frères. Ola, on est honnête, hein, moi et le Fennec. On a regardé ses sorties médiatiques en 2017. On lui a accordé une interview dans le 11 mondial. Qu'est-ce que je raconte? Ça, c'était Andy Delors. On a parlé de Ben Nasser par rapport à ça en interview dans le vestiaire sur RMC Sport avec Franck Leboeuf, etc. Et il avait parlé, il a expliqué qu'il a choisi l'Algérie parce que c'est pas venu instinctivement, tu vois. C'était pas instantané, c'était pas un choix du cœur naturel, tu vois, qui se fait immédiatement. Il a choisi l'Algérie parce qu'il avait proposé l'équipe A. Et le Maroc, il n'avait pas proposé l'équipe A. Il a dit son grand frère, il a pesé le pour et le contre, etc. Ils ont bien expliqué à son père, parce que son père, il n'était pas d'accord. Et voilà, donc il a choisi le A. Il a choisi l'équipe A et l'Algérie parce que ce matin, il lui permettait de jouer à un niveau plus haut. C'est ce qu'il recherchait aussi. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo. J'étais déçu qu'ils ne félicitent pas l'Algérie quand ils ont gagné par rapport au Maroc. Le joueur africain le plus cher, c'est Pep. C'est pas mérité, je trouve. Ouais, quoi, la zone, ouais. Pep, c'est un portugais. Je sais pas quel joueur africain, attends. Ah, Pepe, ah, bah oui, Pepe. Pepe, c'est lui qui joue Arsenal. Ah, bah. Ouais, je sais pas, hein. Là, je sais pas, quoi. Hein. Je sais pas si c'est mérité ou pas. Il joue à Arsenal, à un moment donné, il était excellent, donc. Je sais pas, après il faut bien négocier son salaire aussi. Hein. Le salaire des Émirats, ils sont au-dessus de certains Européens. Il a enlevé son like fan de FNAF, t'avais dit 7. Saïd, c'est pas grave, il a remis. On s'en fout. Choix sportif, c'est vrai. Ouais, bah oui. Mehdi Abed touche plus que Ounas. Désolé, je suis modérateur partout. Non, tranquille, frère. Normal, il y a du pétrole. De quoi il y a du pétrole, les frères? Quoi que tu racontes? Le fan de FNAF, déjà déclaré. C'est vrai, je pense que Ben Nasser, il préfère le Maroc. Je sais pas. Je pense qu'il a une petite préférence pour le Maroc, mais. Tu vois, tu joues pour un pays que tu as choisi. C'est le pays de ta maman. Même si Zarna, dans la lignée. Dans l'islam, tu vois, tu suis la lignée du père, de base. Mais après, tu vois, il n'y a pas que ça qui compte. Il y a ta sensibilité, tes affinités avec le pays. Et voilà, si tu te vois, si tu te sens plus algérien, comment ta façon de penser, comment, voilà, je sais pas, non. Par exemple, j'ai des cousins, ils sont à moitié français, moitié algérien, ils sont plus algériens, alors que c'est leur père, le français.
tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. Ça veut rien dire, tu vois. C'est enfin, vrai. Ça veut dire des choses, mais. Ça, c'est. Il y a plein de choses qui comptent. Il n'y a pas juste tu suis parce que ton père, il est comme ça, et point final, tu vois. Moi, je trouve que c'est plus nuancé, les frères. Mais après, Benacer, sa mère algérienne, quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais après, j'ai eu des commentaires, ils me disaient, oui. Son père il est marocain, donc c'est normal qu'il suit la lignée du père. Dans l'islam c'est comme ça, nanani. Ça, les frères, il n'y a pas que ça. Il voulait le Maroc, mais le Maroc ne l'a pas appelé à la CAN. Donc il est parti avec l'Algérie car il voulait déjà jouer au niveau mondial. Ouais, mais quand il est parti en Algérie, c'était compliqué l'Algérie. Hein. Reste comme t'es, bouge pas. Ouais, oh, c'est pas grave, de toute façon, on laisse. Faisons pas. Alors, c'est bon, Hicham Boudaoui, 46 000 euros. Ah, miskin Hicham Boudaoui. Il touche pas beaucoup. Hein. En vrai, il touche pas beaucoup. Moi, je serais bien content de toucher ce qu'il touche. Hein. Mais ouais, mais en vrai, par rapport aux autres. Ouais. Les gens disent que j'ai enlevé mon like alors que non. Hop là, dislike. Je t'ai dit, c'est un merdeux. Là, c'est un merdeux, ton frère. Si tu veux, fan de FNAF, je suis à Montpellier. Hicham Boudaoui. N'hésitez pas à liker, les frères. Là, on est 8 pour 5 likes. Ça nous ferait un énorme plaisir. Là. Likez à fond, les gars. On casse cette barre de likes. Explosez-nous la barre de likes. Même si on n'aura que 8 likes, pour nous ça sera explosé, t'as vu. C'est bon. Tu vois, après tu me dis débloque-moi avec mon autre compte et tout. Mais hey, je te dis la vérité, t'es chiant, fan de FNAF, là. Ils ont désactivé les dislikes. Non, c'est pas nous qui les avons désactivés. Hein. C'est YouTube qui les a enlevés, croyant. Enfin, qui les a enlevés, genre. Même si la personne dislike, il n'y aura que nous qui les voyons. Donc voilà, c'est pas. On s'en fout, tu vois. Farid Boulahia, normalement, moi pour moi, Farid Boulahia, en tout cas, il mérite d'être payé plus, toi. Rami Zerouki, ah ouais, 5000 euros, plutôt plus. Non. 5000 euros, c'est tout. T'es saoulé, ton frère. Là. D'accord, fan de FNAF. Mais dis The Fun. Skin. Tu vois, il y en a, ils touchent pas beaucoup, oui, hein. 3000 euros par mois, c'est. Bien sûr qu'il y a des youtubeurs qui touchent plus, si tu regardes, si tu compares. Mais après, Squeezie, Rouya, déjà, il affiche pas son salaire. Tu vois. Après, si ça doit être dépensé où tu joues, où t'es, tes performances, le salaire, ça dépend aussi. Parce que c'est pas. Et pas, tu joues en Ligue 1, t'as beaucoup compris, tu gagnes trop. Alors j'ai dit, en fait le salaire ça dépend déjà où tu joues, tes performances sur le terrain, parce que si tu joues comme de la merde et que tu veux un grand salaire, oublie vite. Hein. Les frères, vous avez vu l'entraîneur de la Tunisie, les frères, quoi. Vous avez vu la vidéo qui tourne là en ce moment? Mundir Kbeir. Vous avez vu ou pas, les frères? Comment ils sont portés? Il a refait une match hier, les frères. Hein. Sierra Leone, Colazon. C'est contre qui le premier match d'Algérie? Colazon, Sierra Leone. Et le Maroc, c'est contre qui, Khoya? T'as vu, c'est pas énorme, Zalouki. Ouais, c'est pas énorme du tout. Ouais, mais tranquille, Zalouki, voilà. Il va monter, Inch'Allah, en puissance. Hein. En plus, les jeunes, il lui faut encore du temps pour monter tranquillement. Il va libérer son potentiel. Ouais. C'est sûr. Il a quel âge? Il a 23 ans. Ouais. Il est jeune encore. Mais bon, quand même, 23 ans, Khoya, il y en a qui touchent plus avant toi. Sinon, attention, la Côte d'Ivoire, c'est l'équipe qui le plus mis l'Algérie en difficulté à la dernière canne. Ouais, je sais. Même quand tu regardes historique match. Attends, je vais mettre historique confrontation. Historique. C'est toujours compliqué avec Algérie-Côte d'Ivoire. On a souvent gagné, pour moi, de ce que je me rappelle. On a souvent gagné, les frères. Bessah, mais. Ça a toujours été difficile. Hein. C'est pas passé avec des. Ça a toujours été. Des scores serrés. Ouais, très serré, oh là. Ça a toujours été compliqué les matchs avec la Côte d'Ivoire. Historique confrontation Algérie-Côte d'Ivoire. 8 rencontres au total ont été jouées. Les éléphants comptent 3 victoires. L'Algérie a enregistré également 3 victoires. 2 matchs. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Oh là, bah moi je me rappelais. Bah, en fait, je me rappelais des 3 dernières victoires. Alors, 3 derniers matchs. 2 matchs nuls sont également à noter entre les deux nations. Pour rappel, la dernière confrontation remonte à la CAN 2019. Ouais, là, ça se tient. Algérie, Côte d'Ivoire, ça se tient, les frères. Oui, trêve, pays du Golfe. C'est le Ghana pour le Maroc. Ah oui, ça, c'est vrai. On joue en 3e déjà contre eux, alhamdoulilah.
Ouais, bah, faut faire attention, les frères. Après, Ghana aussi, faut faire attention. Pour moi, il faudrait plus faire attention de Ghana. En Coupe du Monde, les frères. En Coupe du Monde, ils ont l'expérience, ils vont souvent en Coupe du Monde. Donc, c'est vrai qu'ils êtes plus chauds en Coupe du Monde qu'à la CAN. Ça, voilà, il faut. Les frères, hein, de toute façon, je vous en parlais dans la vidéo demain. Mais l'Algérie qui remporte la CAN en Afrique subsaharienne, oula, ça risque d'être compliqué. Hein, ça risque d'être compliqué. Hein. Mais Inch'Allah, on fait une petite doublette. Inch'Allah, on fait une petite doublette. Mais voilà, j'espère tout autant pour que ce soit le Maroc, l'Égypte, tous les pays que. Arabes, tu vois, j'aimerais bien qu'ils aillent loin. Même qu'ils se qualifient en Coupe du Monde. Mais après, j'aimerais bien en même temps que pour les qualifications de la Coupe du Monde, que ce soit les pays les plus Mérite. forts. Les plus forts de l'Afrique, tu vois. Ceux qui en montrent le plus, qui ont plus faim, tu vois. Qui vont en Coupe du Monde pour montrer une belle image. Mais je pense qu'on a les moyens de gagner ce match. Oui, pour le Oui, Maroc aussi. moi aussi je pense que. Moi je pense que le Maroc va le gagner, c'est chaud, mais pas impossible. On joue en troisième déjà contre Alhamdoulilah. De quoi c'est chaud? Nigeria pour l'Égypte, c'est chaud, je trouve. Ah, oui. Ouais, c'est chaud. Mais l'Égypte, ils ont gagné plusieurs CAN en Afrique subsaharienne. Et l'Égypte, voilà, ça leur réussit bien l'Afrique subsaharienne. Hein, donc, Attendez, je vais regarder. Ouais. 7, 7 c'est énorme. 57 à 59. C'est chez vous cette cave là. C'est le bonnet qu'ils ont remporté d'ailleurs. Ouais. Bah, ils avaient gagné en 2008 au Ghana, les frères. Ils avaient gagné où aussi à Dancan aussi. 2010. 2010, c'est eux qui ont gagné aussi. Attends, reste comme ça. Tu peux me passer le chargeur comme ça, parce que toi, c'est pas pareil. Passe-moi le chargeur, du coup. Le Fennec dort assis. Non, il dort pas. Après, une fois. Le chargeur, oui. Bravo. Il fait quoi, l'entraîneur tunisien? Il a fait. Regarde, là, il a fait. Il a dit, si je veux, je peux te. Peux t'humilier, je sais pas quoi, un journaliste, tu vois, il a pété un plomb, il a pété un plomb. Ah, je mobile, Khoya. Moi, je mobile, je sais pas comment t'as connu la chaîne, Khoya Ola. D'ailleurs, on aimerait bien savoir ça. Ça nous fait plaisir de savoir comment vous avez connu la chaîne et tout, parce que tu vois, enfin, tu vois, c'est un peu le but d'avoir des abonnés, de gagner des abonnés, tu vois. C'est bon, ça marche? Oh, ça marche. Parfait, parfait. Et tu vois, le fait de savoir, ce serait bien. Et ouais, je préfère que l'Algérie. Clairement, je pense que pour beaucoup, c'est pareil. Vous préférez que votre pays soit reconnu mondialement, qu'on en parle à l'autre bout du monde de sa performance en Coupe du Monde, justement, ou alors qu'il gagne une compétition locale, enfin, locale, quand je dis locale, voilà, c'est la CAN, ça reste continental. Et voilà, parce que je me souviens quand on est allé en 2014 au Brésil. Non, pas en. Attendez, attendez. C'était en 2010 le Brésil, hein. C'est une 14 de Ouais, c'était en 2000. En 2014, c'était pas le Brésil, frère. Moi, je l'ai Ah, été en si, 2014. 2014, c'était le Brésil. Ouais. Ils ont fait que 2010, c'était l'Afrique du Sud. Ouais. Du coup, quand on est allé en 2014, je me rappelle, les frères, qu'on avait fait une interview à des Brésiliens. On leur demandait où se trouve l'Algérie, ils savaient même pas. Ils savaient même pas. Voilà, ils savaient pas. Donc les frères, moi j'aimerais bien que l'Algérie soit au devant de la scène, tu vois, mondialement. Et je préfère qu'il fasse une mauvaise CAN limite et qu'il fasse une très bonne Coupe du Monde que l'inverse, tu vois. T'as le jeune au PSG, Rabi, Algérie, Tunisie. Ouais, on va voir, on va voir. On va voir qui Rabi. Et là, je regarde pas trop les jeunes et tout. Tant que voilà, ils ont pas fait leurs preuves, etc. Voilà, il faut voir. Faut qu'il soit régulier, il faut qu'il montre voilà, qu'il soit bon, etc. Parce qu'on a un bon groupe maintenant. John a fait un exploit en Coupe 2014. Ouais. Parce qu'en fait, la 2014, c'était l'équipe la plus forte, l'Allemagne. On a reçu à les tenir. Alors que le Brésil n'a pas réussi à les tenir. Elle s'est fait humilier 7-1. C'était pas. C'était la même Coupe du Monde.
C'est la même Coupe du Monde. Ismail Rabbi est un footballeur professionnel franco-tunisien qui évolue comme milieu de terrain pour le club de Ligue 1. Il a eu 18. C'est un franco-tunisien. T'es sûr il est algérien aussi, Julien? Instagram. Attends, je vais regarder son Instagram, les frères. Ah oui, il a même pas mis le drapeau de l'Algérie ni de la Tunisie. Lui, je pense qu'il va finir en France, lui, les frères. Ah oui, mais il est jeune, les frères. Il est très jeune. Hein. Ça se voit, hein, au-delà. Kimben, hé, Kimben, t'es allé me le chercher où, celui-là? Tu attends que la France mette la main dessus? Non, mais Khouya, c'est à lui de choisir. Hein. C'est à lui de voir. Hein. Ouais, s'il veut pas aller en équipe de France, il ira pas, Khouya. Hein. En tout cas, voilà, c'est à lui de manifester son envie de jouer pour son pays. Triple nationalité, ouais. Mais voilà, il est très jeune. Non, moi, j'attends pas que la France mette la main dessus. Pour moi, les recruteurs, tu vois, enfin, ceux qui sélectionnent les joueurs pour l'équipe nationale, les amis, ils créent un lien avec lui. Ils nous le contactent, ouais, tu vois. Mais après, c'est à lui de faire son choix. C'est logique, tu vois. En 2014, Mahrez est remplaçant. Ouais, c'est normal. Il était pas... c'était au début de... Il avait pas le niveau de maintenant. Donc encore que... Même quand il jouait des matchs, moi je me disais... Des fois il fait des jolies passes, il casse plusieurs lignes. Il faisait des magnifiques passes, Mahrez, au tout début quand il jouait. Je me rappelle du match contre l'Arménie, il avait fait des magnifiques passes. Je me suis dit, voilà, lui il a quelque chose dans ses passes et tout. Et au final, voilà. Car je suis d'autres lives, il parlait de l'Algérie sur Instagram. Ah, ok Kimben, d'accord. Ouais, ben, en fait, même maintenant, Man City, il joue remplaçant. Sachant qu'il a joué 5 matchs de Manchester City. Il a joué 5 matchs. Il faisait ses armées. De quoi ses armes? Ses armes encore, il marquait même des... Il faisait ses armes, Khouyam, Femch. J'ai pas compris, Odna. Alhamdoulilah. En tout cas, les frères. Ounas, c'est bien ce qu'il a fait, voilà. Ounas, il y a, comment ça s'appelle, le Parme, il y a Parme qui le demande, qui veulent qu'il signe chez eux. Je sais pas si c'est bien, vous en pensez quoi les frères, voilà. Parme qui veut faire signer Adem Ounas. Il faisait ses armes encore et marquait des points de... Oui, Octopus, c'est vrai. J'ai connu ta chaîne parce que j'ai tapé foot algérien et j'ai vu une chaîne où c'est écrit guerrier du désert et j'ai aimé tes vidéos, du coup voilà comment j'ai connu ta chaîne. Ah, merci beaucoup, jeu mobile, Allah, ça fait plaisir, quoi. Faire ses armes, ça fait plaisir, quoi. Mais tu l'as connu qu'aujourd'hui, du coup? N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche des notifications, jeu mobile, et mettre toutes les notifications, tu vois, en dessous, sur le bouton à côté de s'abonner. Quand tu t'abonnes, tu mets toutes les notifications comme ça, ben, sur les lives et tout, t'es au courant, tu vois. Re tout le monde, re-side. Ounas à l'OM. Pas l'OM. Ounas Floem. Oh. Non, pas l'OM. Ce serait bien, Oula. Ounas, très, très dribbleur, très juste techniquement. La balle du col au pied. Si tu veux, après, je te montre des trucs de comment il a joué contre la AC Milan et tout. Il leur a fait la misère. Certes, hein. Il est bon, mais s'il fait un match où il joue mal, les supporters, ils vont lui tomber dessus. Ah, t'as peur que ça l'impacte psychologiquement. C'est pour ça, l'OM c'est un bon club, mais le problème c'est les supporters, ils font une pression de fou sur les joueurs. Ouais, je sais pas s'il est capable de supporter la pression ou non. En plus, il est jeune en plus. Ouais, c'est vrai, c'est compliqué. Après, s'il est bon, ben ils vont le tirer vers le haut. En fait, oui, c'est qu'il tout double avec les supporters, ouais, de l'OM, hein, c'est ça. Hein. Voilà, faut être bon, faut être juste bon. Et les supporters, ils vont t'aider, mais si tu joues mal, et les supporters, ils t'éteignent. Il te siffle, oh, mais vraiment, c'est... Moi, je viens à match de l'OM un jour, et franchement, les supporters, hein, ils sont pas très aimables, comme je pourrais le dire. Ouais, ils sont durs avec les joueurs. Hein. Phil Foden, il a marqué, les frères, contre Brentford. Là, il y a 1-0 Manchester City contre Brentford. Pas l'OM, ouais, je sais pas. En tout cas, Parme, vous en pensez quoi? Jeu mobile, ou là, je t'ai pas vu, hein. Je t'avais pas vu, Rouya, dans les lives d'avant. Je t'avais pas vu. Bon, on essaie de faire les lives le plus souvent, même tous les jours, hein, tous les soirs. Hein. Mais les supporters Winners l'ont demandé à Longoria. Hein? Qui Adem Ounas, alors?
Fall back. Pass me. Ouais. Ouais. Salam alaikum Lazer, comment ça va Kouya? N'hésite pas à liker, Oula. Ça nous fera un énorme plaisir. Ok, City vont distancer le championnat. Ouais, ouais. Là, ils sont à combien de points, City? Attendez, je vais voir City, les frères. Manchester City. En tout cas, là, je vois des statistiques. Des statistiques, les frères. Pour 10 minutes de moins joué. Mahrez, il a marqué 12 buts. Il a fait 5 assists, passes décisives. Pour 80, je crois 80 minutes jouées. 89 minutes. Et Cristiano Ronaldo, pour 99 minutes, il a fait 13 buts marqués, 2 assists pour 10 minutes de plus, quoi. Et je crois que c'était en Ligue des Champions, les frères, si je dis pas de conneries. Ou alors dans le championnat, je sais pas. C'est quelle comparaison, mais je me disais, ah ouais, Mahrez, il tient statistiquement. C'est Mayani, il est très bon, il est efficace. Hein. Là, il barak, hein. Salam, comment ça va? Ça va, Alhamdoulilah, et toi, Lazer, t'as passé une bonne journée, Khoya? Oui, il est derrière Drogba en stats. Il est juste derrière Drogba, ouais, par rapport à des stats, ouais, j'ai vu aussi. En première ligue. En première ligue, je crois qu'il est. Il a joué pas mal de matchs de moins de Drogba. Et il le colle au niveau but, etc. Ouais. Au niveau passe D aussi. Et je crois qu'il a 51 buts, je crois. Attendez. Il est à 50 passes D et Drogba 55. En première ligue. Ah, c'est les. Ah, ok, ouais. C'est juste les passes décisives, ouais. C'est pas les buts? Non. Je te pas décisif. Bon, D, première ligue. Ouais, Manchester City, ils sont à 50 points. C'est pas plus que... Et Chelsea, ils ont 40. Ah, mais ça va, ils les ont pas trop distancés non plus. Ils ont pas trop distancés. Hein. West Ham, ils sont où, West Ham? Ah, West Ham, ils sont 5e. Voilà, ça va, hein, West Ham. Hein. Voilà, c'est... West Ham, ils peuvent remonter encore. Hein. Après, West Ham, voilà, sur les 4 derniers matchs, 2 défaites, 1 nul et 1 victoire, c'est pas. C'est pas Yanni qui fait encore les 5 derniers matchs, Malhamche. C'est pas un bilan positif, tu vois. Watford, c'est une catastrophe. 5 derniers matchs, 5 défaites. Et pas. Newcastle, ils sont 19e. Oh, j'aurais pas pensé, les frères, Oula. Compliqué pour Newcastle. Hein. Ouais. Tu regardes des LDC africaines? Non. Je vais mettre à les regarder, mais je la regarde pas. Non. Je regarde genre la finale ou la demi-finale, tu vois, mais. Par exemple, c'était la finale de quoi déjà? L'Ahli contre Raja Casablanca. C'était la finale de quoi? La Super Coupe d'Afrique, tu vois, ça j'ai regardé la finale. J'ai regardé la finale et c'était un très beau match aussi. Hein. Donc, tu vois, ça dépend, mais sinon, non, je regarde pas trop. Toi, tu regardes le Fenet? Ouais, moi, je vois un petit peu. But aussi, je crois. Ah, but aussi. Il t'a dit but aussi. Hein. Bah, il but, croit, il est pas sûr. Hein. Il manque que Massinissa, ça serait carré. Ouais, Massinissa, il a des problèmes de santé. Rabbi Shafir, les frères, Allah. Rabbi, Inch'Allah, que Dieu lui fasse. Que Dieu lui octroie un prompt rétablissement. Mais ouais, Massinissa, tu regardes. Ouais. Il y a Zamalek Wydad, je crois, dans le même groupe. Attends, je vais regarder LDC africaine. Après, je me rappelle qu'il y avait une finale, je crois, l'US Tunis, là où jouait Blady, je crois, c'est ça. Et en finale, contre je sais plus quel club, ils ont dû rejouer le match, quoi. Ou ils devaient le rejouer. Espérance et Étoile du Sahel aussi, dans le même groupe. Attends, Ligue des Champions africaine. Wak et Raja c'est vite. Ah, le tirage il a été. Les pots pour le tirage au sort. Enfin, je vais. Mais les frères, pour l'Algérie, il est qualifié en Ligue des Champions africaine. Attends, on va regarder. Ah, Égypte, Algérie. West Sétif. Ah, CR Belouizdad. Ok, c'était les deux premières de du championnat, enfin du classement de championnat 2020 quoi. C'était Belouizdad et le SC Chief. Ok, ah donc ils sont tombés dans le même groupe. Oh là là. Mais même deux clubs algériens, je pense West Ham, c'est mort pour la Ligue des Champions. Arsenal ne laissera jamais leur place. Ah Khouya, tu sais, oh là, c'est le classement, on vient de le regarder, il est chaud. Hein,
Arsenal, ils ont juste 4 points de plus que West Ham. Hein. Voilà, tout peut se jouer encore. Hein. C'est pas rien n'est joué, hein, pour mon jeu. Oui. Il y a deux clubs tunisiens, ouais. Deux clubs tunisiens dans le même groupe, attends. Non. Non, tu te trompes, oui. Hein. Il n'y a pas de club tunisien, il y a deux clubs algériens. Il n'y a pas de club tunisien dans le même groupe. Hein. Je te dis les groupes. Les 4 pots pour le tirage au sort en Ligue des Champions africaines, les quatre groupes. Mardi 28 décembre, donc hier, à 13h30 au Caire. Au Caire, il y a le pot à l'Ehli, l'Espérance sportive de Tunis, Wydad Casablanca et Al-Ajah Casablanca dans le même groupe. Donc deux groupes deux clubs du Maroc. Zamalek pour l'Égypte en groupe dans le deuxième groupe. Mamelodi Sundown, l'Afrique du Sud. Horoya, la Guinée et l'Étoile sportive du Sahel Tunisie. Pot 3, El Hilal du Soudan. Ah t'as vu Hilal Soudani. Ah ouais. Il est algérien, il s'appelle Hilal Soudani et El Hilal du Soudan, c'est un club. CRB Louisdad, Atletico Petroloas et ES Sétif. Donc ouais, il y a deux clubs algériens les frères, c'est jouable. Ah ok, deux Marocains, ouais, deux Marocains et deux Algériens. Demain je vais devoir être efficace, on rentre en Italie puis on reprend vers Naples pour le nouvel an. Ah ouais, Khoyaoullah, tu voyages beaucoup en ce moment, c'est bien, hein. Profite Khoyaoullah, profite. Ouais, et El Hilal, donc Soudan, CRB Louisdad d'Algérie, Atletico Petroleos Angola et ES Sétif Algérie encore. Ça c'est le groupe 3. Et le groupe 4, il y a El Merih Soudan, Sagrada Esperanza Angola, Joanneg Galaxy Botswana et AmaZulu Afrique du Sud. Attends, Botswana ils ont un seul club? C'est bizarre. Moi je comprends pas là. Comment il y a des pays qui ont plusieurs clubs? Comme le Maroc, tu vois, ils ont deux clubs. Algérie, deux clubs. Égypte, deux clubs. Afrique du Sud, deux clubs. Et le Botswana, ils ont un seul club. Soudan, ils ont deux clubs, tu vois. C'est bizarre. Donc Gala, deux clubs. Peut-être dans leur championnat, il y a moins de clubs. Enfin, de... Forlok. Ouais, deux clubs, deux clubs. Les pots 4 pour le tirage au sort. Confédération, coupe de la Confédération. Hein. MDR AmaZulu. Ah, rigole pas, faut y imaginer, il gagne la Ligue des Champions africaines. Ça y est, tu parles efficace, dans quel sens? Demain, être rapide. Ouais, ben. Bah. Moi, j'ai compris en tout cas. Ouais, ouais, c'est en vrai, là, les frères. Inch'Allah, les clubs algériens, ils font une bonne. Même marocains, les frères. Inch'Allah, on assistera à une belle Ligue des Champions africaines. En tout cas, on va la suivre. Il faut juste qu'on regarde les matchs Ligue des Champions africaines. À quelle heure ils jouent et à quelle heure ils jouent et quand ils jouent. Calendrier. Donc. Le 15, attends, le 15. Le 15 des éliminaires. Tour préliminaire, ça c'était les tours préliminaires. Ah. Attends, tour préliminaire. Je crois qu'il y avait une petite flèche pour sélectionner les... Attends. Ah, Ligue des Champions, CAF. Donc, le 11 février, ça commence. Ok. Ouais, Algérie, donc Sétif contre la Guinée. Mais c'est dommage, il y a deux clubs algériens qui vont devoir se disputer la qualification. Après, s'ils arrivent premier et deuxième, c'est bien. Inch'Allah. Journée 2. Attends, groupe B. Ils sont au Sétif. Attends. C'est quoi ça? Je comprends rien, les frères. Ouais. Il y a Sétif et il y a normalement CRB Louisdad. Ah, c'est pas dans le même groupe? Ah oui, t'as raison, Khouya. Bah attends. En fait, Octopus, t'as raison, Khouya. Ouais, je sais, Trève. C'est ce que je disais, Trève Number One. Tu supportes qui comme équipe? En fait, Khoya, tu vas t'étonner. Lui supporte Marseille et Barcelone. Moi, je supporte Paris et Real. C'est... Voilà.
en formant un duo, yani, étonnant. Un club turc. Ouais, non, mais. Ouais, en ambus. C'est vrai, il y a un club turc aussi, à ce qui paraît, qui s'intéresse à Blady aussi. Ça. Il y a le FC Anderlecht et il y a un club. Ouais, faudrait que je revoie, mais j'ai vu qu'il y avait le Anderlecht, qu'il y avait FC Bale. Et il y avait. Attends, c'était qui? Non, je ne sais plus quel. Oui, c'est ce que j'avais vu, guerrier. Ouais, t'as raison, là. Hein. Ben là, ça me met d'autres groupes, là. Je ne sais pas pourquoi. Ça met Étoile du Sahel avec l'Espérance de Tunis, Belouizdad Dead et Jwong Galaxy, en groupe C. Et Raja Casablanca, Mazoulou, Sétif et autres. Ouais, il n'y a que les Tunisiens qui sont tombés deux villes dans le même groupe, quoi. Ouais, mais c'est bizarre parce que dans l'autre truc, ça m'a mis autre chose. Ouais, Ligue des Champions 2021-2022, ouais, je sais pas. Une fois ça met un truc, une fois ça met un autre résultat, oh là. FCB, le Miskin, ils pensent vraiment pouvoir attirer bien. Zahmé, ils ont proposé le salaire, Lazer, hein. Oula, hein. Ah, croyez pas, Zahmé, ils sont venus sans rien. Ils ont mis le salaire sur la table, ils ont mis presque 2 millions annuels, hein. C'est pas rien, les frères, hein. Heureux, le fan de FNAF. Ouais, donc. C'est Bale, il parle pas chinois. Hein. Il ira la jamais Turquie, là, meilleure quoi. Option pour Blady. Ouais, c'est vrai, là j'ai pensé, la Turquie, ça serait bien pour Blady. Hein. Une culture, voilà, c'est. Zama, c'est un pays laïque, mais on sait que, voilà, la culture, elle est un peu musulmane. Tu vois, ça ressemble un peu aux Arabes, c'est. Voilà, c'est turcophone. Tu vois, c'est. Peut-être même façon de penser, ou pas très différente que nous, tu vois, c'est. Je pense que l'adaptation se fera de meilleure, d'une meilleure. Il s'acclimatera beaucoup mieux, tu vois. Elle sera plus rapide, l'adaptation. Oui, mais sportivement, il n'y a aucun projet autant restant en Arabie Saoudite si c'est financièrement. Bien sûr, Lazer, je sais, je sais. Mais c'est mieux qu'il signe en Espagne. Mais ça reste quand même En mieux, je pense. Allemagne. FC Bale, le truc suisse, peut-être qu'il est quand même plus suivi que par les clubs que. Après, il a 29 ans, s'il va là-bas, il joue une saison, deux saisons, il aura 31. 31, c'est quoi? Il te reste quelques saisons à jouer et puis c'est fini pour toi. Hein. À part s'il fait une latane. Donc, ouais, non, mais en vrai, là, pour lui, ce qui serait le meilleur, c'est qu'il fasse une bonne CAN, qu'il fasse une excellente CAN et qu'il se fasse repérer, tu vois. Mais après, ce qu'il m'a dit, un frère, c'est que quand. En fait, c'est maintenant qu'il recrute les clubs, c'est pas après la CAN. Donc ça reste de compliqué. Non, il n'est pas du tout suivi ce championnat. Bah si, attends, il y a qui? Il y a qui? Attends, il y a qui a joué là-bas puis qui a été recruté? Il y a un joueur là. Un joueur maintenant, il joue dans un bon championnat. Il y a en tant que enfin Suisse, il y a Shaqiri qui a été il y a Shaqiri qui a été vu, je crois, par l'Inter, si je me trompe pas. Ouais, voilà, Shaqiri. Shaqiri, ouais, attends. Je crois que c'est Shaqiri, ouais. Il joue à l'OL maintenant. Ouais, mais avant il a fait l'Inter et Stoke City, et Liverpool aussi. Attends, juste avant. Ouais, voilà, il joue en Suisse. Ouais, au FC Bayern. au FC Bale, ouais. FC Bale, ensuite il a été au Bayern Munich, Ah ensuite à oui, l'Inter. celui-là. Donc voilà, donc. Alors que. Si tu. Vas-y, sors-moi. Lazur, sors-moi un joueur rouillant qui jouait en Arabie Saoudite ou au Qatar. Et qui a été repéré par des clubs européens, il n'y en a pas. Alors qu'en Suisse, il y en a quelques-uns, tu vois. S'il est excellent en Suisse. Après, il se parle des cheap polo. Non, mais s'il est excellent en Suisse, oh là. Après, non, mais moi, pour moi, c'est pas du tout un. C'est un bon compromis d'aller jouer là-bas. Autant, ouais, pour moi, autant rester en Arabie Saoudite. Si voilà, il n'a pas besoin de. Ça m'a d'une grosse capacité d'adaptation, il n'a pas besoin. C'est pareil, c'est des pays arabes, tout est pareil, la culture, les traditions, tout. Moi, je pense beaucoup à l'adaptation parce que moi, les frères qui est né au bled et qui est dû m'adapter en France, voilà, quand t'es dépaysé, etc., c'est pas facile, les frères. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup d'adaptation, de capacité d'acclimatation dans le pays, de dépaysement, d'esseulement, etc. J'en avais parlé dans une vidéo. Donc, les frères, ouais. Ouais. Donc, par rapport à Blély. Dans ce cas-là, il vaudrait mieux qu'il reste là-bas. Hein. Non, mais c'est pas comparable, guerrier. Là, il est en fin de carrière. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je disais, ouais. Dans 1 an, 2 ans, il restera quelques saisons. Il y a aucun intérêt d'aller en Suisse, autant aller en Turquie, c'est pour trouver un tremplin. Non, ça, t'as raison, là.
l'époque. Mais quand tu m'as dit, en fait, je t'ai dit ça. Quand tu m'as dit, il est pas du tout suivi ce championnat, toi. C'est là où je t'ai dit, sors-moi, genre des joueurs qui sont été recrutés, genre du championnat, qui ont été détectés et allés. Enfin, comment dire, qui ont été détectés et puis recrutés dans un autre championnat parce qu'ils ont été bons dans le championnat qatari ou de l'Arabie Saoudite, il n'y en a pas. Alors que dans le championnat suisse, c'est possible, tu vois. Mais bien sûr, Blaïli, ça y est, il a 29 ans, quoi, là, c'est. Lui, il reste quelques années à jouer, donc soit il signe directement dans un bon club, soit voilà, il reste là-bas. Et puis voilà. Moi, ça me dérange pas plus que ça qu'il reste au. Je sais pas toi, Lazer, je sais pas vous. Imagine Blaïli si au FC Bale et il gagne la Ligue des Champions l'année prochaine. Ça serait. Voilà, après, il y a un peu de réussite, un peu de chance dans la carrière, donc dans la carrière d'un footballeur, donc. Donc ouais, ça. Mais non, je pense pas, quoi. Il faudra, c'est le mec tout, quoi. Là, c'est. Aussi, c'est le destin, la carrière d'un footballeur. Hein. Ouais, moi, pour moi, Blaïli devait avoir une carrière. Beaucoup mieux que celle qu'il a, tu vois. Mais bon, c'est le destin, c'est comme ça. Il n'y a pas que le talent qui compte, il y a des choix parfois. Comme regardez Mahrez. Il a choisi Leicester. Il joue en D2 anglaise. Si vous me dites pas qu'il n'y a pas de chance, là vous n'êtes pas honnête, les frères. Ils ont réussi à se hisser en premier de la D2 anglaise. Tu vois, si ce club-là, il l'aurait pas appelé, il l'aurait pas détecté, alors qu'avant ça, il jouait au Havre. Donc c'est, tu vois, il y a un peu de réussite, un peu de chance. Même s'il est très talentueux, Mahrez, on n'enlève rien en son talent. Mais s'il ne serait pas tombé à Leicester, qu'il n'aurait pas eu ce. Voilà, en deux saisons d'affilée, son premier de la D2 anglaise, ensuite de la D1 anglaise, de la première ligue, de la Championship et de la première ligue. Donc voilà, il a choisi le bon club, c'est tombé au bon moment, ils ont voulu l'appeler, ils ont voulu compter sur lui. Même lui, il pensait que c'était un club de rugby, il savait même pas ce que c'était, il disait dans une interview. Donc voilà, ça dépend. Guerrier, t'as des joueurs, ils ne cherchent pas forcément les gros clubs dans leur carrière, voilà, ça existe. Oui, mais bien sûr, Koya. Mais Blaïli, je pense pas qu'il va jouer au FC Bale, tu vois. Après, Blaïli, faut pas oublier, c'est grâce à Belmadi qui lui a donné sa deuxième chance. Et qui a tout explosé à la CAN. Avant ça, on a eu un passage de lui à Angers catastrophique. Rouya, tu peux pas parler de son passage à Angers, Rouya. Déjà, le président d'Angers, c'était un Arabi. Un Arabi, mais le club, on avait l'impression que c'était des racistes. Il en fait jouer la moitié d'un match, une mi-temps. Une mi-temps. Ils ont même pas laissé sa chance à Angers. C'est normal qu'il ne peut pas s'imposer dans un club que tu ne te laisses pas ta chance. 1,3 million net pour un an et demi. Ouais, c'est ça. Oui, bah ils ont mis plus que Marseille, ce qu'ils voulaient mettre Marseille en tout cas. Mais moi, j'aimerais bien le voir à l'OM, tu vois. J'aimerais bien pour sa carrière, tu vois. Je pense pas perso, je me dis pas, vu que je supporte Paris, j'aimerais pas le voir à Marseille, tu vois. J'aimerais bien le voir à l'OM, tu vois. En tant que Marseillais, ça serait vraiment un plaisir qu'il joue. En plus, Zarna, parce que on n'a pas la preuve formelle, mais d'après Bounjer, Blaïli, il subit aucune pression. Avant les matchs, il dort fait le bus, aucune pression, il ch'tache, il est tranquille, tu vois. Bounjer, il a dit, des fois, j'arrive pas trop à dormir, il a fait le bus, je suis stressé et tout. Il a dit, lui, Wallah, Al-Kif, tranquille, c'est super, tu vois, un état d'esprit magnifique. Blaïli, c'est le genre de joueur. Au niveau de talent, c'est très fort, mais il ne s'imposera pas dans un gros club. C'est un joueur où l'équipe doit jouer pour lui un club milieu de tableau dans les grands championnats. Ouais. Bah, je sais pas si... Dans un gros club, je sais pas, Khoya Ola. C'est ton avis, je respecte, Ola Nahcharam, Khoya. Tant qu'il y a du respect, tu vois, c'est le plus important, là. Je respecte clairement ton avis, je... J'essaie pas de te contredire pour rien, Ola. Hein. Je trouve que t'as... Je sais pas si t'as raison, Koya, en tout cas. Je sais pas s'il s'imposera pas dans un grand club. En fait, on l'a jamais vu dans un grand club. Je sais pas comment tu peux dire ça. Mais. Arf, man. Je sais pas d'où tu sors ça, genre. C'est un joueur où l'équipe doit jouer pour lui. Ayani, c'est un joueur. C'est un joueur perso. C'est un joueur des fois perso. Des fois, il te sort des trucs magnifiques. Mais est-ce que c'est un Messi où le jeu de l'équipe doit tourner autour de lui pour qu'il soit le plus performant? Compliqué à dire. Après, c'est ton analyse, Royan. Exactement, Lazer. Et Brahimi. Belmadi, attends, ça sert. Et Brahimi. Quoi, Brahimi? Brahimi, là. Il a
bon niveau, Brahim. Tu parles de quoi? Des clubs? Tu parles de son talent? S'il s'impose dans un grand club, etc. Son profil fait qu'il ne peut pas s'imposer dans une équipe avec des joueurs de gros calibre. Profil cher. Bah, je sais pas. Là, tu me poses une colle. Quoi. Son profil. Elle, pour moi, s'il fait les mêmes choses que ce qu'il fait en sélection, il a écarté quand même Brahimi. C'est un talent pur algérien. C'est un gros talent algérien, Brahimi. C'est pas n'importe qui. S'il a réussi à l'écarter en club, de par ses performances, pourquoi il pourrait pas reproduire ça en club? Là, je sais pas, tu me dis son profil, etc. Mais il a le niveau. Pour jouer en Europe. Attends. Ouais, bah oui, il a le niveau, Khoya, bien sûr. Évidemment. On doute pas là-dessus. Ça. Sa mental n'est pas assez probe. Il a besoin de beaucoup de liberté. La mental chair n'est pas assez probe. Ouais, mais il peut s'adapter, il peut changer de mentalité, ça c'est pas. Peut-être qu'il va voir le. Il va voir la. En Europe c'est rigoureux, comment voilà, c'est strict, comment tu dois. L'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, tout est carré en France. Tout est carré en France. En Europe, tu vois. Peut-être qu'il va voir ça, il va voir plein de trucs. Peut-être que voilà, il va se mettre dans les clous, tu vois. Sébastien Haller. Ouais, Sébastien Haller. Sébastien Haller, il a été interrogé, les frères, Sébastien Haller. Je vais parler de ça parce que je viens de recevoir la notification. En fait, il joue à l'Ajax Amsterdam, c'est le meilleur buteur d'ailleurs. Que ce soit en Ligue des Champions, c'est ça. Hein. En championnat, il a 13 buts. En Ligue des Champions, il a marqué pas mal de buts aussi. Par un journaliste, il y a un journaliste qui lui a posé une question, néerlandais. Il lui a demandé, il a demandé est-ce qu'il préférait disputer avec la Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations, au Cameroun, ou bien il privilégiait sa carrière en club. Ce qu'il a demandé, je vous le dis, comme ça, c'est une information, les frères. Le buteur, l'avant-centre de l'Ajax, il s'emporte, à ce qui paraît, s'emporte, c'est écrit. Il répond d'une manière sévère. Cette question montre le manque de respect pour l'Afrique. Poseriez-vous cette question à un joueur européen avant un euro? Bien sûr que je vais aller jouer la CAN, c'est le plus grand honneur. Et bien sûr, j'aurais aimé prendre l'avion entre les deux pour pouvoir jouer contre Utrecht et le PSV. Ouais. Mais c'est tout simplement impossible. Non, c'est bien, il a bien répondu, moi, je trouve, le frère. Il a répondu pour toute l'Afrique. Hein. Lazur, il a mis Brahimi sur le banc. Mais regarde, Brahimi, c'est la même chose. À part Porto, il aurait pu jouer où? Khoya, Brahimi, il aurait pu jouer... Brahimi, Khoya... C'était un talent. Brahimi, il y avait beaucoup de... Il y avait des clubs sur ses côtes. Hein. C'est juste, lui, il a clairement choisi... Il a clairement choisi le côté financier. Hein. Attends, tu sais quoi? Je vais le taper sur Internet. Parce que je me rappelle... À un moment, il était meilleur joueur de. Meilleur joueur du Portugal, tu vois. De... Meilleur joueur. Brahim, meilleur joueur. Attends, je crois que c'était en 2000. Meilleur joueur du mois. Attends. Bref. C'est quoi le. Attends, le championnat portugais, comment il s'appelle déjà? C'est la. Attends. Liga Portugal, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, il a été élu meilleur joueur du Liga. Il a eu un peu le même truc que Mahrez, tu vois. Et il jouait la Ligue des Champions. Il s'était imposé dans son club. Il était excellent. Moi, je pense qu'il aurait pu jouer dans un meilleur club, hein, Brahimi. Mais il a préféré la Roya. C'est dommage. Hein. La chance, ça n'existe pas. T'as vu ce qu'il a joué? T'as vu avec qui il jouait à Leicester? Il manque Brahimi qui vit. Attends, j'ai pas compris. Il manque Brahimi. Il a totalement raison, il a bien réagi. À l'heure, a raison. Ouais, bien sûr, il a raison. Oui, MDR, il est fou. Ils poseront jamais cette question à CR7. Bah oui, Allah. Bien sûr, parce que mais, pour eux, ils nous considèrent pas, les Africains. Zama. Voilà, Zama, on est moins. Mish. Zama, tu crois, comme si depuis toujours, on est moins. C'est McFarlock. Mais limite des moins que rien par rapport à eux, tu vois.
Ouais, Lazur, moi je pense que Bellerin, il aurait pu jouer clairement dans un meilleur club. Hein. Attends, je vais regarder. C'est l'offre qu'il a eu. Bellerin. Mercato M, Brahimi réclame 20 millions à son futur club. 20 millions, hein, c'est pour mettre 20 millions, mais ils vont pas mettre une aussi grande somme. Je sauve de 3 clubs, attends. Ça c'était en 2020, ça c'est récent. Il joue encore en Arabie Saoudite, ça. Si je jouais à l'OM, ce serait vraiment Évidemment, magnifique. ce n'est pas le seul motif qui attend. Et déjà, le FC Porto, c'est un très bon club, non, tu trouves pas? Si, si, si. Et c'est un Il bon jouait club. Toujours la Ligue des Champions, pas toujours, mais souvent. Ils jouaient la Ligue des Champions, ils étaient dans les premiers de. Ouais, c'est vrai. Slimani, avec. Ouais. Ouais, il avait tout explosé au Portugal. Ouais, il jouait souvent la Ligue des Champions, Rouillaz. C'était un très bon club. Hein. Mais moi, pour moi, il aurait pu jouer dans un meilleur club, tu vois, mais. Ça fait du moins ce qu'a révélé Mercato. Cette source citait l'Olympique de Marseille comme étant la formation qui a le plus incité pour s'offrir les services de Brahimi. Donc l'OM voulait Brahimi. Le club turc de Beşiktaş aussi. Ouais, mais ça, c'est pas des grands clubs. Moi, je cherche un bon club, tu vois. Genre du même niveau que Porto ou encore meilleur. Alors, cette année, l'OM, ils ont niveau de Porto. Ils ont vraiment une bonne équipe cette année, l'OM. On parle pas de cette année, on parle. Le Milan AC n'est pas la seule équipe qui veut ça. Ah, bah le Milan AC, une offre de 20 millions d'euros d'Arsenal pour Brahimi. En fait, il y avait Arsenal qui était sur ses côtes. Il y avait le Milan AC qui l'a voulu aussi. D'après les médias algériens. Donc là, je regarde des articles qui datent un peu. Hein. Officialisé. Mais attends, salaire, attends, on va regarder. Ça demande beaucoup un salaire. Après, voilà. Lui, il a plus préféré le côté financier à Lazur. Hein. On est d'accord. Pas la même classe sociale. Et alors, Saïd? Et alors? Bah, c'est pas la question. Valbuena était pas meilleur que Brahimi ou Blayli quand même. Non, Valbuena, il était clairement bon, pas. Mais moi, pour moi, non. Santé, Valbuena, certes. Toi, tu suis beaucoup l'OM. Alors, Valbuena, moi, je l'ai vu. Bon, certes, il est bon, mais sans plus, quoi. C'est un bon joueur. Mais Brahimi, il est meilleur que Valbuena. Ah oui, moi pour moi oui, clairement. Largement. Valbuena était pas meilleur que Brahimi Blayli quand même. Tu penses que l'absence de Guedjola va faire mal? Je pense que Rouya, je pense Ben Debka il va faire l'affaire. Wallah, hein. Ben Debka, je l'ai vu en coup arabe là, Ibarek. Je sais pas quoi dire tellement il m'a épaté en coup arabe. Après, c'est vrai qu'en entame de match, à des moments, il a fait quelques pertes de balles. Il a fait une faute par rapport à. Sur coup de pied arrêté où on s'est pris le but contre le Maroc, c'est lui qui avait provoqué la faute. Mais voilà, ça c'est une erreur de marquage de Tugay, une erreur de placement de Boulhi sur le but, etc. Mais en tout cas, Ben Debka, dans un aspect global de son tournoi de la Coupe arabe au Qatar, il a été excellent. Il a été excellent. D'ailleurs, c'est pour ça que s'il a appelé Belmadi, c'est pas pour rien. Moi, je pense qu'il peut clairement. Voilà, après, je sais pas si c'est vraiment son poste. Moi, pour moi, il joue en. Voilà, il joue en milieu défensif gauche, milieu défensif. Ou droit, tu vois. Benacer, peut-être, on pourra le mettre à droite et puis lui à gauche. Mais franchement, il est excellent, Ben Nebka. Les GOAT, Ronaldo et Maradona. Messi, tu comptes pas? Messi, les frères. Tu vois, avant, je voyais beaucoup, je tombais quand j'étais. Et légèrement plus jeune. Le match référence de Ben Debka. Ben Debka, je vais pas vous mentir les frères, je ne le suivais pas avant, je l'ai connu. Je l'ai connu en coupe arabe. Donc, attends, Ben Debka match référence en coupe arabe. Ben, attends, en coupe arabe. Il a été bon dans tous les matchs presque. Hein. En finale, je l'ai trouvé moins bon que sur les autres matchs, mais sinon, attends. Franchement, je pourrais pas t'en sortir. Il y en a pas un qui m'a marqué plus que les autres, tu vois. Sûrement, il y en a un qui a été encore plus meilleur que les autres, sûrement. Mais tu vois, je l'ai pas noté, donc attends. Parce que j'ai, en fait, Lazur, pour te dire, hein, je trouve pas Zarmin.
des balles neuves, comme on dit, des excuses ou la haja, tu vois. Le parable où il t'a impressionné le plus. Je trouve pas des excuses ou là, mais j'ai réanalysé tous les matchs, Roya. Tous les matchs de l'Algérie, je les ai revus 1h30 chaque match. 1h30 avec le Fennec à froid. Je regardais tout, leur placement, j'essayais de regarder toute l'équipe, tu vois, leur placement, tu vois, dans quels sont les circuits de passe, comment ils jouent, etc. Et Ben Debka, toi, il y a un match où tu t'en rappelles ou pas? Parce qu'on a regardé tous les matchs, ouais, on a regardé même la Tunisie, on a regardé. C'est compliqué de sortir un match dur, comme ça. Hein. En fait, là, c'est dur. Il a été bon dans presque tous les matchs. Ouais. Hein. Attends, le match d'avant le Maroc, c'était qui? C'était la... L'Egypte? Ouais, l'Egypte. Bah, peut-être l'Egypte, il a été très bon. Ouais, peut-être l'Egypte, je dirais. Clairement, il mérite pas du tout, même Messi. Non, Messi mérite. On parle pas de Ballon d'Or, quand on parle de GOAT. GOAT, attends. GOAT, c'est le meilleur joueur. Ouais, bah là on parle pas juste du ballon d'or qu'il a eu là. Bien sûr, moi je pense qu'il méritait pas le ballon d'or. Je vais faire la même parce que je connais pas plus que ça le joueur. Bon là, Lazio, regarde le match de l'Egypte. L'Egypte. Attends, il y a l'Egypte où il a été bon. Il a été excellent, je trouve. Il y a quel match où il était bon? Il y a eu l'Egypte, il y a eu Maroc, il y a eu Qatar. Moi je trouve que au fur et à mesure que la compétition avançait, et plus il baissait de régime, tu vois. Parce que aussi il jouait tous les matchs, il courait beaucoup. On a calculé un match, c'est pas nous qui avons calculé moi et le Fennec, hein. Mais je veux dire dans les statistiques, il avait couru 13 km, ce qui est énorme. 13 km dans le match. Ce qui est énorme les frères. 13 km, attends. Je dis de la merde là. Ouais, c'était 13 km. 13 km, je dis pas de la merde. Ouais, le tout donc en 90 minutes pour traiter ceci. Va être soumis pendant le match à des accélérations soutenues, ça juste parce qu'on appelle course de haute. Ouais, c'est ça, 13 km il avait couru. T'as vu dans la vidéo de Gaming 13, il y a un mec mort en bas de chez lui. Ouais, ouais, je sais. Après, voilà, c'est un peu le... Après, il faut pas l'en vouloir parce qu'il fait des titres attirants, tu vois. C'est un peu là, c'est un peu normal. C'est un youtubeur, c'est son gagne-pain. Voilà, son but, c'est de faire le plus de clics possible. Les médias algériens sont pas fait fiables. Par rapport à quoi tu me dis ça, Trev Number? Mais oui, Blayley, techniquement, au-dessus. Ouais, Blayley, il est très bon, techniquement. Je vais faire la même parce que je connais. Ouais. Après, Lazio, c'est fatigant de regarder beaucoup de matchs. Hein. À la fin, tellement, t'arrives plus à analyser. Hein. Quand tu passes toute une journée à analyser des matchs, c'est compliqué. Attends, juste aller dans ton lit et dormir. Après, les premiers matchs aussi, il a été très bon. On a joué contre qui? Le premier match, Soudan, ensuite Liban. Liban, il a été bon, Liban. Il a été excellent, le Liban aussi. Liban, Soudan, Liban. Égypte. Liban, Égypte, il a été très bon. Après, Maroc. Ensuite, Maroc, moi, je l'ai trouvé bon aussi contre le Maroc. Hein. Y a pas... Mais après, il a provoqué la faute du but. Donc, voilà, c'est un peu... Tu vois, ça baisse un peu sa note globale, on va dire. Mais il a été tout aussi bon. Qatar, il a... Voilà, il a baissé un peu de régime, mais il était encore excellent. Et Tunisie, encore un peu moins. Voilà, c'est de la fatigue, tout le tournoi. En fait, c'est le seul joueur qui... C'est pas le seul joueur. C'est l'un... Non, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, il est entré titulaire sur tous les matchs. C'est ça que je reprochais, moi, à Bouguera, les frères. C'est qu'il a pas fait... Il a pas fait le turnover. Il a pas fait tourner les joueurs dans le championnat. Ça, c'est une erreur un peu tactique, tu vois. De tuer les joueurs comme ça, c'est pas le meilleur. Et puis, ça, on se disait, ils vont être cramés, les joueurs, avant la fin du tournoi. Ils vont être cramés. Au final, ils ont réussi à tenir. Ça nous a étonné même qu'ils réussissent à tenir des matchs avec des prolongations, etc. Attendez, les frères. Et puis, voilà. Excusez-moi, hein, on a reçu un appel. Pour toi, Slimani doit partir de Lyon? Mais oui, mais... Est-ce que le jeu mobile, c'est ton pote? Non, c'est pas ton pote. Mais oui, il doit partir largement, Lyon, il doit partir en... Mais oui, Blayley, techniquement, au-dessus. Oui. Pour toi, Slimani doit... Ouais, pour moi, il doit partir. Hein. Oui, c'est vrai, il les a usés. Ouais, il était... Non, franchement, Allah...
Et frère, voilà, il a été très bon, linebacker. Après, celui qui m'a bien plu aussi, c'est Chechi. Il est monté au fur et à mesure de la compétition en puissance. Au début, il était moyen défensivement. Il a fait ses matchs. Hein. Voilà, il a été présent quand même. Mais surtout offensivement, il faisait des déchets de malade. Il faisait des percées ensuite, il faisait sortir la balle en touche. Ou alors il faisait des percées pour donner la balle aux équipes adverses, leur faisait une passe, tu vois, à la défense adverse. C'était un peu déchet ses offensives, mais après il a réglé ce petit souci là. Il a été très bon. C'était très bon. Oui, c'est vrai, il les a usés. Surtout ses retours défensifs à Chichi, les frères. Retour défensif de malade contre Slichi deux fois contre la Tunisie, je crois. Où il a évité deux buts clairement. Contre Jazeera. Ben Depka, il meurt sur le terrain, mais techniquement limité. Ouais, je suis d'accord. Techniquement limité, oh là, je suis d'accord. Mais franchement, avec tous les joueurs techniques qu'on a sur le terrain, on fait un 4-3-3 offensif avec Ben Depka et puis Ben Nasser en milieu défensif droit et milieu défensif gauche. On met un MOC Fegouli ou Boulahia. Oh là, ça suffit clairement. Pas besoin de plus que ça. Tant qu'il fait ressortir bien les ballons, il fait des bons décalages, il est dur sur l'homme, il a l'instinct du placement de la Hiberek. On dit beaucoup les joueurs attirent le ballon, les bons joueurs attirent le ballon. Wallah, lui, on dirait qu'il attirait le ballon sur le terrain. À chaque fois qu'il était placé, ben, le ballon arrivait vers lui, il coupait les lignes de passe, etc. Franchement, il a été excellent, il pressait les adversaires. Il pressait parfois très haut, il faisait des récupérations de balles, que ce soit dans la partie adverse, dans la partie terrain adverse, comme dans notre partie du terrain, les frères. Wallah, il a été partout, il faisait des replis défensifs. À droite, à gauche. Nah, franchement, Ben Depka, Allah Ibarak, on en a besoin de ce joueur. Et franchement, je vous dis, je pense qu'il va s'imposer en équipe nationale A. Vous verrez, Belmadji, il va le mettre, Inch'Allah. Il va le mettre. Il a tellement été bon que... Voilà. Après, à voir s'il fait il refait la même avec un niveau un peu plus haussé. On va voir. Hein. Mais franchement, Allah Ibarak, hein. Mashallah. Pas que je porte l'œil, Allah Ibarak. Zergan aussi, il est très bon. Hein. Et là, Zerouki, voilà, sur Zerouki, là, il est un peu plus mitigé, tu vois. Il tempère le jeu, il apaise le jeu, il pivote, etc. Mais voilà, je trouve pas que. Je sais pas pour le jeu africain. Belek, voilà, c'est un peu plus compliqué pour lui. T'as vu, Eto, il a offert un bus pour les joueurs. Ouais, j'ai reçu la notif, j'ai pas lu l'article. Mais j'ai reçu une notification de. Comme quoi, ouais, il a offert un bus. Ou alors, je l'ai vu sur YouTube. Un bus pour les Lions d'Ateranga, ouais. Oui, c'est vrai, il les a usés. Octopus, Rouya, ouais, c'est ça. C'est... Non, j'allais dire. Saïd, il est plus là, Saïd. Hein. Octopus, t'as bien analysé les matchs? Parce que les frères, je vous dis sincèrement, là, hein, moi, en tout cas, le Fennec, il est un peu plus. Il garde le sang-froid quand on regarde les matchs et tout. Moi, quand je regarde les matchs de l'Algérie, je suis intenable. Les frères. Ah, ça c'est vrai, par contre. Ça. Oula, je me mets debout, je me rassois, je me remets. Tout le match, je perds des calories, je vous le dis. Hein. Je suis pas bien, mon cœur il bat à fond, je tremble. C'est un truc de malade. Je sais pas pourquoi je me mets dans cet état-là. J'ai de la tension. Oula, je mange un sucre, j'attrape le diabète, les frères. Oula, c'est un truc de malade. Ouais, c'est. Je regarde les matchs de l'Algérie, je suis au bout de ma vie, les frères. Après, moi, comme j'ai les gars, moi je fais confiance à mon équipe d'Algérie et je sais qu'on va gagner. Du coup moi, j'ai. Je sais pas déjà ça, n'importe quoi. Pas savoir qu'on va gagner en avance, surtout contre la Tunisie. T'as eu le match quand il était serré, frère, ouais, c'est une finale vrai. Et tout. Non, il y en a qui ont le sang froid, il y en a qui. Voilà, qui stressent plus. Il y a tellement de lions que tu les confonds. Attends, les lions indomptables. Ouais, les lions indomptables. Ouais, ça c'est c'est le cas. Ouais, les lions indomptables. Il y a la lion de l'Atlas, lion d'Ateranga, lion indomptable. Là, ouais. Il y a beaucoup d'aigles, les super eagles et les aigles du Mali, les aigles de Carthage. Alors là, d'enfant, on en parlait Octopus. Je sais pas si t'étais là, quoi. On se marrait par rapport à ça, on rigolait. Voilà. Il y a les hirondelles, les antilopes et tout. On était morts de rire. Voilà. Les étalons, les éperviers. Les écureuils. Les écureuils, ça me fait rire. Là. Les hirondelles aussi. Les antilopes, les crocodiles. Il y a tellement de noms là en Afrique. T'as l'impression que c'est un zoo là. Les fennecs. Les... Il y a quoi qui est marrant aussi? Les antilopes. Il y en a Black Stars. Ouais, la zéro. Ouais. Après, tu vois, par exemple, moi ce qui me. Tu vois, je sais pas pourquoi en Afrique, on a pris le nom des animaux.
des symboles du pays, tu vois. Par exemple, en Algérie, au Sahara, l'animal qui est au Sahara, voilà, qui symbolise un peu le Sahara, c'est le fennec, tu vois. Et un peu, tu vois, au Cameroun, je crois, il y avait des lions, alors, à l'époque, ce qu'ils me disaient, Kimben. Donc voilà, alors qu'en Europe, tu vois. En Europe, tu vois, c'est des noms qui sont bien, tu vois. Enfin, les diables rouges. Il y a quoi ici? La Roja. C'est l'Espagne, la Roja. Il y a la Squadra Azzurra. Tu vois, il y a des jolis noms. Au bled, t'as des noms, c'est des écureuils. Faut pas se moquer d'eux, les frères. On va se prendre une teréha à la fin. Mais t'as des noms, là, les écureuils, les éperviers, les hirondelles. J'étais là, c'est moi la base du sujet même. Là, je sais pas pourquoi il y a une différence de charisme dans les noms comme ça. Voilà. Ouais, même au nord de l'Afrique, il y avait des lions. Vous savez que les frères, par rapport à ça, là on remonte un peu dans l'histoire et tout. Enfin, genre, vu qu'à l'ancienne, il y avait des lions, il y avait des animaux qui symbolisent maintenant les différents pays. Au niveau des noms des équipes nationales de football, vous savez qu'en Algérie, on a retrouvé les ossements les plus anciens, genre les, comment dire, des os, des humains, qui avaient la date la plus ancienne dans le monde. Ils en ont déduit, les scientifiques, etc., que l'Algérie, c'était le centre de l'humanité, parce qu'ils n'ont pas trouvé de par rapport aux hominidés, etc., ils n'ont pas trouvé d'ossements aussi anciens. C'est des primates, tu vois. Donc voilà, les frères. Petite parenthèse. Imagine la France, ça aurait été les Halloufs bleus. Non, voyage. Ouais. Les cochons, non, non, les cochons bleus, là. Les coqs, c'est les coqs, les co ça. C'est vrai, c'est les coqs, je crois. Oui, même Imagine en la ordre. France. Ok, ce panneau-là, le Sahara doit être renfermé énormément de fossiles. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, les frères, voilà, ça fait 1h32. Est-ce qu'on va sortir? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire, nous, là. On a une semaine où on travaille pas, donc, alhamdoulilah. Sachant que, je vais vous apprendre un truc, au début il n'y avait pas de désert, il y avait de la faune, il y avait des arbres, il y avait de la nature au début au désert. Il n'y avait pas du sable et tout, c'est venu après le sable. Et comment c'est venu? Ça Du je feu, sais quoi. pas, ça je sais pas, mais je sais qu'il y avait de la faune au début. Attends, qu'est-ce que je voulais voir? Ouais. Dubaï. Ok, Span. Ouais, on. C'est pas. Okay. Attends, on va regarder juste un truc, vite fait, les frères. Attends. Ah, ils sont toujours à 1-0, Manchester City C'est fort. et Brentford, les frères. Hein. Le but de Phil Foden, voilà, qui a débloqué la situation, et ils sont toujours à. 1-0. Voilà, ils ont pas élargi le score. Aggravé le score, non. Brentford qui tient tête, hein. Ah oui, j'ai même pas vu. Est-ce que Mahrez il joue ou pas? Ton joueur préféré en équipe d'Algérie? Ah, les frères, ça se joue entre Attal et Bounedjah. Hein. Si vous vous étonnez, Bounedjah, j'aime beaucoup là. Moi, Bounedjah. J'aime pas pour son jeu avec ballon, hein. Mais j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup voilà, son histoire, etc. J'aime beaucoup Bounedjah. Même s'il râle beaucoup, voilà, il conteste beaucoup et tout, ça me saoule chez lui. Et sinon, voilà. Slimani, j'aime bien sa mentalité aussi. Bah, maintenant, t'as appris, mais. Attends, Brentford. Attends, je vais voir les compositions. Ah, la composition. Et moi, mon joueur préféré, c'est Benacer. J'aime bien le. J'aime bien le joueur. T'aimes bien Benacer qui a Ouais. choisi l'Algérie par défaut alors. Ah, il joue pas Mahrez, les frères. Je vois qui prendre la CAN. Je vois qui. Ne soyez pas déçus, les frères. NH, je vois. Je crois, non. La Côte d'Ivoire, je dirais soit la Côte Ou le d'Ivoire. Cameroun.
ولا الكاميرون ولا l'Égypte. L'Égypte, ils ont pas mal gagné de CAN en Afrique subsaharienne. Voilà, l'Égypte, je pense qu'ils peuvent faire un. Voilà. Ils ont gagné 7 CAN, l'Égypte. Okay. Ouais, l'Égypte ont gagné pas mal de CAN. Ouais. Attends. Soit celle au Burkina Faso, celle au Ghana, celle. Attends, il y en a eu où après. Voilà, après c'était en 86, j'étais jeune donc je me rappelle pas. Je sais qu'en 98 c'était au Burkina. Et après en 2008, je crois, c'était au Ghana ça. 2010 2008 Ghana et 2010 Égypte. Non, c'est l'inverse, je crois. Attends, Cannes 2008. Cannes 2008. 2008. Ouais, 2008 c'était Ghana, ça? Ouais, c'est ça. Champion. Et 2010 c'était Égypte? Ouais, Égypte. Organisé en Angola? Non, Angola. Bah, je sais pas alors c'était laquelle en Égypte. Je sais plus. Boulhaï aussi, belle histoire. Je vois le Maroc aller loin. Oui, le Maroc, je l'ai oublié. Le Maroc aussi, je le vois aller loin. Mais peut-être pas. Les guerriers du désert, l'Algérie. Hein? Ouais, Inch'Allah. Moi, j'espère que l'Algérie. Mais ceux que je vois le plus. Parce que nous, on a toujours du mal en équipe. Demain, Inch'Allah, je sors une vidéo parlant de ça. Nous, on a toujours du mal. Mais, Inch'Allah, pourquoi pas? Je vois bien l'Algérie faire une doublette. Hein. Une doublette deux fois Cannes d'affilée. Hein. Inch'Allah. Inch'Allah, les frères. Hein. Wallah, pourquoi pas? Et moi, comme je dis, je préfère pour une mauvaise CAN et une meilleure Coupe du Monde. Oui, non, mais c'est pas la question là, c'est qui, ah. Est-ce que tu vois qui tu vois gagner la CAN, tu vois. Après, qu'est-ce que tu préfères entre la CAN et la Coupe du Monde, voilà. Moi aussi, j'ai le même avis que toi. Hein. Les Cameroun vont flopper, je pense. Avec Eto qui vient d'arriver, je le sens comme ça. Hein? On verra Octopus. Hein. Moi je pense que voilà, c'est un peu un Belmadji Eto, tu vois. Et en plus Eto c'est pas l'entraîneur. C'est pas l'entraîneur Eto, donc voilà. Enfin, c'est le président de la Confédération Camerounaise de football, mais de la Fédération Camerounaise de football. Donc voilà, je sais pas. Avec Eto qui vient d'arriver, le Cameroun vont flopper. Tu penses quoi? Ils vont flopper dans l'organisation du tournoi? De la compétition, enfin de la CAN. C'est ça que tu penses qu'ils ont flopé, c'est là-dedans? Ou tu penses qu'ils ont flopé dans leur réussite au niveau. Voilà, au niveau de la compétition, c'est ma. Dans le foot, quoi. Oui, dans le sens fédération. Ah, je sais pas, rien. Moi, je pense que. Voilà, il a fait des sorties, il a fait des interviews. J'ai l'impression qu'il. Yanni, c'est un homme fiable, qui a de la poigne, qui sait gérer les choses et tout, Inch'Allah. Hein. Peut-être que je me trompe, rien. Ils sont en reconstruction. De quoi là? L'équipe ou là? Ou là les. Tu parles de quoi? Qui sont en reconstruction? Je pense la fédération. Ok. Ouais, bah on verra, rien. Après, je pense qu'il va gérer la Hibar qu'il a. Mais Andou, il a. Andou, c'est un homme de. Andou la poigne qu'il faut, tu vois. Oui, il est bon, mais c'est le début. Mahrez. Je vais Mahrez. Il a quoi, Mahrez, quoi hein? Dubaï. Toute l'équipe, la mentale, etc. Hein? On verra. Ouais, c'est vrai que, voilà, ils sont pas... Cameroun, quand tu regardes leur dernier match... Parfois ils font un bon match, parfois ils font un match moins accompli. Mais chez eux, je pense que ça va beaucoup les booster. Hein. Chez eux, ça va beaucoup les booster. Hein. Et c'est pas pareil. Regarde quand ils ont joué contre la Côte d'Ivoire, ils avaient perdu 3-1 à l'extérieur, ils ont gagné 1-0 chez eux. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Alhamdoulilah. C'était quoi? Attends, dernier match. Attends. Cameroun.
Cameroun, Côte d'Ivoire, ils ont gagné 1-0. Ils ont perdu 2-1 à l'aller. Et ils ont perdu 2-1 à l'aller, tu vois, c'est... Après, c'est... Ouais, ça se tenait quand même, même à l'aller. Hein. Ouais. Mais ouais, sinon, tant que Cameroun, ça remonte, hein, parce qu'ils avaient gagné le Nigeria. Ça remonte, hein, ça remonte. Ils ont pas perdu, ils ont fait 1 contre le Mali. Mali très solide défensivement. Donc... Ah, c'est la CHAN, c'est pas pareil. CAN 2020, attends, ça remonte à un an déjà. Oh là là, je viens de recevoir une notification, les frères. Je vois, ils ont perdu. Attends, ils ont perdu, ouais, contre... Contre le Maroc en finale. Contre la Côte d'Ivoire, en 2-1, chez la Côte d'Ivoire. Et puis, ils ont gagné à nouveau chez eux, mais sinon, ils ont pas perdu depuis longtemps, hein. On fait 0-0 contre le Japon en 2020. Là, je remonte un peu loin, là. Après, ouais, ça remonte. Après, ils avaient perdu. Ouais. Je me rappelle contre le Nigeria, où le Nigeria, ils avaient renversé le match, je crois. En tout cas, là, je viens de recevoir une notification, les frères. Je sais pas si vous l'avez reçu. Je sais pas si vous êtes abonné. Casse-tête chinois pour Belmadi. Une mauvaise nouvelle de plus pour l'équipe nationale. Vous voulez que je vous lise l'article, les frères? 1-1 face aux Comores. Ouais, mais peut-être que le Comore, ils sont très durs à jouer chez eux, tu sais pas. Ouais, mais après, ça reste le Comore, c'est vrai. Bah, je t'ai dit, hein, une fois, ils sont bons, une fois, ils sont moins bons. Là, tu, quand t'es habitué à certains automatismes, même au niveau de travail, la fédération, ça joue. Attends, je vais lire l'article, parce que ça m'intéresse. Encore une autre mauvaise nouvelle qui s'abat sur le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Djamel Belmadi. En effet, à l'approche de la coupe de la CAN, les mauvaises nouvelles ne cessent de s'enchaîner. Au début, c'était la contamination des joueurs par la Covid. Maintenant, c'est l'absence du milieu de terrain Ismaïl Benacer lors du prochain match de la CAN face à la Sierra Leone. Ah ouais, pourquoi? C'est le cumul de cartons qui va empêcher Ismaïl Benacer de participer au premier match. Ah ouais? Le sélectionneur Belmadi devra, lui, trouver rapidement un remplaçant. Des avertissements reçus au cours d'une compétition de la CAF sont pas reportés à une autre compétition, comme le stipule l'article 112. Ah ouais, c'est-à-dire que les joueurs ne peuvent pas purger la suspension. Attends, c'est-à-dire que les joueurs ne peuvent pas purger la suspension dans une autre compétition que la CAN ou ses qualifications. Ah, pour rappel, Ismaïl Benacer avait copié 2 cartons jaunes lors des éliminations de la CAN en 2021. Ah, cependant, Ismaïl Benacer sera bel et bien présent lors du match face à la Guinée équatoriale. Bah, ouais, mais après, voilà. C'est rien. Après, voilà, c'est mauvaise nouvelle, mais ça. Je sais pas si c'est vraiment mauvaise nouvelle. On pourra tester un joueur au milieu avec Ben Debka. Hein. On pourra mettre Ben Debka à sa place et puis mettre peut-être Ben Debka Zerroki, ou là on verra. Hein. Ouais. Les frères, salam alaikum. Alaikum salam, Trev Number. Merci beaucoup d'avoir été présent, Khoya. Je te dis, passe une agréable nuit, une agréable soirée. Dors bien, Khoya. Leila Saïda, comme on dit en arabe. Et Inch'Allah, voilà, dors bien, prends des forces. Inch'Allah, demain nouveau live et reviens en force, Inch'Allah. Les médias veulent notre mort. Alaykoum salam. Alaykoum salam, ça se gère. Bon. Bon bah les frères, merci beaucoup d'avoir été présents. Ça fait 1h45 de live, il y en a pour moi, c'est assez. Hein. Inch'Allah, on fera des lives tous les soirs, on parlera un peu des nouvelles, on parlera encore du foot, etc. Voilà, là on sait qu'on n'aura pas, pas Blayley, on aura peut-être Blayley, peut-être les Covidés, ils seront rétablis Inch'Allah d'ici le premier match, qu'on les aura. Mais en tout cas, Ben Nassel, c'est sûr qu'on l'aura pas, le milieu. Voilà, c'est pas un truc, ça me dérange pas plus que ça, je sais pas ce que vous en pensez. Octopus, Saïd, etc. Voilà. Laser, je sais pas s'il est encore là. Boulhi aussi, belle histoire. Attends, il a dit belle histoire. Tu vois qui pendant la canne, c'est de l'info. Ouais. Au revoir, bonne nuit. Bonne nuit, Rouillage Mobile 60. Passez une agréable nuit. Merci beaucoup d'avoir été là, ça nous fait un énorme plaisir, Oula. Moi, je dors pas. Ah, ok, bah bonne nuit, Blanche, alors Saïd, trop bien. Sois pas trop KO, frérot. Bon, on vous dit... 1, 2... Vas-y, on dit en même temps. T'es prêt. Salam alaikum. Non. C'est comme ça, on fait pendant les vidéos. On est jamais, il est jamais coordonné avec moi, je sais pas pourquoi.
coordonnées avec moi. Salam alaikum et 1, 2, 3, vive l'Algérie.